Ouais poteau, moi je vole mal partout. Je préfère me confier à personne car ils parlent tous. La vie c'est dur, la vie c'est pas cool. C'est pas un cartoon. Faut charbonner pour faire un tatsu. Hey, je veux que ma mère soit. Ah là ça va tuer. Arrêtons de la pifre. Allons-y. Merde. Coucou Santi. Qui t'est arrivé, Miguel? On a explosé. Hola, Santi. Venez, on va rentrer. C'est chez toi? Ah, c'est un... Ouais, c'est à moi le casino. Quoi? Ah, c'est pour Shangri-La? Non, c'est moi le patron. Ah bon? Greta, ils veulent les récupérer, mais c'est moi le patron. Merci. C'est des patrons? Greta qui a les clés d'ici. Pas de quoi? Ok. Eh hey, tonton, je te ferai goûter les pâtes au thon, on veut le roro. Seulement si Dieu veut, on l'aura. Pour l'instant, je déchire mes draps pour faire du yo-yo. Sous l'axe, là. Ah, c'est toi, tu... C'est incroyable. Sérieux, je pensais pas qu'il allait avoir un casino, moi, ici. Je peux essayer de faire une partie? Oui, tu peux. J'ai toujours rêvé. Mais les Shangri-La, ils m'ont dit que c'était à eux. Ben, ils doivent avoir une part, oui, mais pour l'instant, il n'y a rien. On va dans un bureau. Si je reconnais le mapping, de base, t'es fort. Ouais, après, vous visiterez. Si je reconnais le mapping de base... Il faut des jetons. Merde. Ah, c'est la boîte de Los Santos, non? Attends. Attends, parce que maintenant que tu me le dis... Non, attends, je lis pas le chat. Bahamas? Ah ouais? Miguel, reviens ici. Miguel, parce que tu veux. Miguel. Arrête, tu me fais peur. Oui, Vertutu. Allô, Vertutu. Allô, Vertutu. Vertutu. Allô, Vertutu. Oui, Vertutu. Allô, Vertutu. La jupe. Mets la jupe, Miguel. Dégage, tu me fais peur, arrête. Mets la jupe. Ah, putain, mais je tombe pendant longtemps. Aïe. Lâche-moi! Il va y avoir un contrôle de pot. Viens là, Miguel. Oh. C'est pas ce que tu crois. Tu t'es pris la vitre, pendejo. Ah oui, il y a une vitre. Il y a une porte. Mais tu fais quoi? Il y a une porte. Oh, mais il glitch tout ce qu'il fait, lui. Du coup, Santi, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Bah, moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'arrivais même pas à jouer à tes jeux. Ah oui, c'est normal, c'est en train d'être mis en place. T'as des contacts encore à Cayo Perico? Si, bah oui, toujours ma famille. Toujours ta famille. On est parti là, d'abord, on a failli se faire tuer. Ouais, mais vous avez joué avec les indigènes, c'est vrai. Ah, ouais, voilà, exactement. On voulait lui dire quoi déjà à Miguel hier, la dernière fois? Ah, parce qu'on est en guerre avec les Italiens, mais vu qu'il n'y a pas ton père, je sais pas si tu vas pouvoir assumer la guerre, quoi. Pourquoi? Je me suis fait sans mon père. Hein, pourquoi il pourrait pas? Tu crois que c'est une salope ou quoi, Santi? T'as l'argent, t'as les armes. Après, moi, j'ai des gens qui sont très bien avec moi. Pourquoi ils sont très bien? Le cartel... Oui, mais le cartel, vas-y, ils veulent pas prendre position, ils sont là que pour leur intérêt. Le délire de pesos et tout, qu'ils aillent se faire enculer. Ouais, mais après, je peux voir pour ça, ou sinon, oui, je peux me démerder à trouver du truc. Hein. Ah ouais? Je rince à Lazare, hein. C'est pas parce qu'on il nous faut des boîtes de munitions. Ils ont forcé Maria à se marier avec un homme. Oui. La petite Marie, là? Carla. Carla. Ils l'ont forcé à se marier. Et du coup, après, je l'ai tué. Enfin, on l'a tué. Enfin, elle l'a tué de notre force à nous. Mais c'est ça leur rapporte quoi de faire ce mariage? J'en sais rien.
Truc de famille, je crois. Pour qui porte le nom? Ah, et pour que Miguel porte pas le nom sans crétin, c'est ça? Non, c'est rien. Il est mort. Bon, tant mieux. Parce qu'en fait, tu sais, la dernière fois, je suis allé le voir parce qu'il m'a proposé, il m'a pris pour un petit toutou. Il m'a dit oui, je peux vous proposer de la sécurité ou je sais pas quoi. Vu que vous êtes seul maintenant. Il savait pas que je savais que c'était lui qui a commandité l'avion. Maintenant, il est au courant, je lui ai dit droit dans les yeux. Le truc, c'est que moi, j'ai eu des soucis avec la IAOD. Bon, c'est normalement, c'est réglé, ça va couler. Mais s'il y a besoin de faire sauter les Italiens, je vous donnerai tout ce qu'il faut. Armes, munitions. Il va lancer roquette. Ce sera pour un but précis. Hein. Je vais pas vous donner ça pour vous balader tous les jours avec des conneries. Il va lancer roquette pour faire exploser la maison. Après, il n'y a pas besoin. Hein. Je te donne du C4, c'est pareil. Ah, bonsoir, Santi. Il va lancer C4. Ça va, non, ça va pas. Il lance C4. Oui. Je veux savoir. Eux, les Serbes, ils sont de mèche. Mais les Serbes aussi, j'attends juste le jour J pour leur tomber dessus. Ils font pas mal si de... Si tu veux, on s'appelle J en vrai. T'as dit quoi? On s'appelle J. En fait, le jour J. Ouais, mais faut préparer quelque chose. Ben, tout faire sauter chez eux au C4, c'est bien ça, Miguel, non? Pas chez les Rital. Les Serbes, oui. Ouais. Après, tu peux faire sauter le bateau des Italiens. Non. On a tué quelqu'un déjà des Italiens, on va y aller crescendo. Après, ils nous ont eu au C4. Est-ce que nous aussi, on y va au C4? Ben... À part si Miguel, il va aller avec un lance-patate là-bas, il va tirer sur tout le monde, ça va être catastrophique. On y va au C4. Et on attend ceux qui sont là, et quand ils sont là, badaboum, hein. Je pourrais aller coincer votre ami. Pourquoi il est là-bas? Mais pourquoi t'es là-bas? Miguel, t'en penses quoi? Oui. Je suis perdu, je sais pas. Tu manges quoi? Des pâtes au thon. Tu t'es perdu de ouf? Tu as la ref? Qui a la ref de? Eh tonton, je te ferai manger des pâtes au thon, on veut le roro. Seulement si je veux, on l'aura. Bouba. Bah alors, on y a fait que, quoi? Y'a que lui qui l'a? On cherche quoi? Je suis pas. Mais attends, parce que là, je suis concentré sur ce qu'on fait. On y va au lance-patate ou on y va au C4? On leur fait quoi? Au cerf? Ben, le mieux, c'est 4 le garage. Hein. Après... Une explosion définitive du garage. Après, t'as vu au pire... Santi, t'as des hélicos, toi? Oui, je crois. Si on prend leur garage, on dégage à l'opposé de la ville. Ça y est, on est où, là? Je crois qu'on est... Comment ça, tu le dégages? Je sais pas comment. C'est Minecraft. Bah, on va le faire avec la statue, on peut bien le faire avec un garage. Oui, mais ça n'a rien à voir. Là, tu prends, tu te fais sauter, c'est quoi? Je sais pas, moi, faut qu'on prenne une décision de ça, Sabla. Ceux qui sont fait sauter, on fait quoi? On fait sauter leur garage? Miguel, concentre-toi avec nous, là, pendejo! J'en sais rien, c'est dans le refait, moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et toi, t'en penses quoi, toi, Luis? Il y a une porte après, senior. Moi, je kiffe l'idée, mais le problème, c'est que... Je veux... T'as vu, ils nous ont fait ça au C4. T'as vu, ouais, je veux mais pas me revancher au C4. Y'a rien de plus gros au C4. On va prendre un RPG, on va leur tirer dessus. À part le C4, y'a rien d'autre. Bonsoir. Bonsoir, Lario. Alors si on détruit totalement le garage, c'est un niveau moi, dessus. Moi, un RPG... De quoi, c'est quoi la question en vrai? C'est pas pour... En gros, il y a les Serbes qui... C'est pas pour attaquer un garage. Les Serbes, ils nous ont fait exploser. Je voulais exploser tout leur garage au C4. Ok. C'est ok ou on trouve autre chose? Moi je pense que c'est très bien. Regardez votre état. Ah oui, mais pas qu'un seul C4. Hein. Oui. On veut vraiment qu'il n'y a plus de garage. Oui, vraiment, c'est une très bonne idée. Va me faire des photos du garage, je te commande l'explosif qu'il faut pour. Il y a à peu près 120 mètres carrés. Ben, pour demain. Ok, donc pour demain, faut attendre, faut qu'on cache notre rancœur pendant 24 heures encore. Bah après, si tu veux le faire ce soir... Après, on peut leur faire des petits coups de Trafalgar en attendant. Ouais, on peut faire des... T'as pas des petits trucs là? Mais vraiment des petits trucs pourris pour leur faire peur. C'est du style, dis-moi. Voilà. Mais moi, j'ai réfléchi. T'as vu, moi j'ai une idée s'il faut. Vas-y. T'as vu, on a des grenades fumigènes. Hmm
Quoi, ils sont tous là-bas, t'as vu, on a une grosse fumigène à l'entrée. Et on débarque tous en courant dans la fumigène au couteau à la batte, on les éclate et on part. T'as vu, juste on met des petits, on les pique. Comme ça, demain, ils s'attendent pas à ce qu'on va faire un gros. Déjà, on va les attraper, on leur rase tous la tête, comme ça ils sont comme nous. Ouais, aussi, c'est vrai que c'est un bon délire ça. Bah regarde, nous on y va, Santi, on prend les photos, on t'envoie tout par message. Et, ouais. Et tu nous prépares ça pour demain. Et nous, on voit de notre côté ce qu'on va faire, ok? C'est bon, parfait. D'accord. Ouais, pas de problème. Merci, Santi. Bon, par contre, je suis grave chaud pour ce qu'il a dit, Miguel. Oui, moi aussi, je suis grave chaud. Gracias. Gracias. Faut les buenas. Attraper. Buenas. Oh, d'ailleurs, Santi. Oui. Ouais, dis-moi. Est-ce que tu cherches de la main-d'œuvre pour le casino? J'attends que ce soit fonctionnel à 100% et ouais, pourquoi pas. Et Santi, Gaz, il a ouvert un truc de achat-revente de voitures. Donc, si jamais t'as des voitures ouais. que tu te sers pas, il te les rachète. On te les met en vente et on prend une part et tu prends la partie. Ouais, je vais les en avoir là. Ok, bah, t'as mon numéro, Santi? Ah, oh, mais c'est plus de bourrée qu'il veut faire? Bah, il veut faire plein de trucs, j'ai l'impression. Bah, du achat-revente de poulet. Bah, il veut achat-revente de voiture. Achat-revente de poulet, bah, en policier. Tu vois? Pourquoi tu rigoles, Rebecca? C'est... J'avoue, c'était trop. Mais moi, je suis trop gentille en fait. À chaque fois, je rigole. Mais non, mais là, fallait pas rigoler. Je suis sérieux. Il kidnappe des policiers. Il regarde, regarde. Il achète des policiers à des gommes. Et après, il les revend. Et ça s'appelle Los Pollos Locos. Los Pollos Vendos. Ah, Vendos. Ouais, trop de balle. Ouais, bon, bon, bien, s'il te plaît. Ça va bien, bien. Ouais, tranquille, bonsoir, bonjour, bienvenue. Bonsoir. On prend chacun une personne, hein. J'en prends une. Bonsoir. Bonjour. Ça va être ici. Bonjour. Mademoiselle, hein, je m'occupe de vous, venez, mademoiselle. T'as mis du blush. Vas-y. Je m'occupe de vous, mademoiselle. Ah. Qu'est-ce que vous cherchez, mademoiselle? Dites-moi, qu'est-ce qui ferait votre bonheur avec votre. Bonsoir. Vous voulez revendre cette fausse sacoche, c'est ça, madame? Ah, c'est une vraie déjà. Ah bon? Venez-moi, je regarde. Étiquette, vous avez l'authenticité ou pas? T'as du blush en la gueule. Ok, merci. Ouais, vous cherchez quoi, madame? Ça coûte combien un couteau, s'il vous plaît? Ça m'arrête quand pas. J'ai un couteau papier. Ça dépend comment tu me le demandes. Quoi? L'argent? Ça s'est arrangé, hein? Non. J'ai 40 Attendez, je vais regarder si j'en ai disponible. Attends, on peut se parler en privé? Bjorno? Attends, j'ai réfléchi. Parfait, merci. Non, rien à foutre. Ouais, j'ai un couteau papier. T'es sûr, Bjorno? Tu veux pas qu'on se parle en privé? Ah, je sais pas, je travaille là. Y a moyen de faire tu veux que je révèle tout à ta famille, Bjorno? Attends, c'est moi. Pas mal. C'est passé, hein. Notre voiture, elle a explosé. Viens, Bjorno. Lâche-moi. Avance, Bjorno. Attends, je vais l'attraper par son vieux survêt de merde. Attends, viens là. Oh, lâchez-moi là. Viens là. Ça va, mon Bohan? Ouais, lâche, putain, qu'est-ce qu'il y a? Toi aussi t'as du blush sa mère. Ah ouais, non t'as trop bu toi. Tu te rappelles de moi Miguel raconté? Regarde ma tête. Eh hey, on est amis Miguel. On est amis. Tu es venu au garage, on est amis. Vous avez fait exploser ma voiture. Et ta voiture? Mais c'est pas nous on a fait exploser. Tu roules pour les Shangri-La? Non attends. Écoute-moi bien. T'as vu ta voiture on l'a pas fait exploser. C'est des problèmes de fabricant, j'en sais rien moi. Ah problème de fabricant. J'en sais rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand vous êtes venu crier les Shangri-La, oui on vous baise. Attends on m'appelle. Putain appelle vite. Ouais bébé. Ouais. C'est qui là? Ouais ça va ou quoi? Tu veux quoi? Je suis en business là. C'est pas... Oh c'est pas parce qu'on est mariés que tu vas dormir un peu tout le temps. Aïe. Oui ah. En business. Bruno, je fais quoi? Je te nique ta mère maintenant devant tes frères? Hein? Non, attends. Je te nique ta mère devant tout le monde? Les gars, qu'est-ce qu'il y a? On peut s'arranger non? On peut s'arranger. Qu'est-ce qui se passe encore ici là? Qu'est-ce qui se passe? On discute entre amis, on n'a pas le droit de discuter ou quoi? Non, du coup la vente c'est pas possible, chef, je dois retourner dans le magasin. Bonsoir. On se rappelle plus tard, hein. Attends, Bjorno, reste ici. Vous pouvez enlever vos masques, monsieur? Quel masque? Personne, on est blessé, personne n'a de masque. Où masque? Où tu vois un masque là? Ça c'est drôle ça. T'as ta gueule de con toi? Pourquoi tu parles de masque? Bjorno. Vraiment désolé. Bjorno, je vais faire brûler ton magasin et ton garage, t'as compris? Pourquoi vous êtes tous devenus chauves là? Ouais. Si on te demande, tu m'as bien entendu, Bjorno? C'est des trucs atypiques, quoi. Je sais pas ce qui s'est passé, d'accord? Bjorno, je vais faire brûler ton garage, ton magasin, ta mère, ton père. Tu vas me rembourser ma taille gâteur. Tu vas me rembourser mon opération de chirurgie esthétique à moi et mes collègues.
et après je vais te baiser ta mère, t'as compris? Attends, tranquille, on a juste missionné sur un plan. Oui, on t'a missionné, mais tu as fait. On est au courant, tu as fait, la mission, tu vois. Je te parle pas de ça, je te parle d'autre chose là, rien à voir. Les Shangri-La, ils sont morts. Quoi? Enfin, un Shangri-La. Eh, tu sais quoi, vas-y, prends mon numéro. Là, on est occupé, là. Tu vois, là, on est en train de travailler dans le magasin. Il y a des flics partout. C'est quoi ton numéro? 55581. Regarde mon visage, Bohan. Tu vas perdre un œil. T'as vu ça, Bohan? Tu mets des photos. Ouais. Hein? Si toi, ta famille, vous en perdez pas deux, appelle pas Vertugo, t'as compris? Ouais, c'est bon, j'ai compris. Vos mères, t'as compris, Björn? Ouais, c'est compris. Viens, on y va. Espèce de salope. Arrêtez ça. Bon, ça va, tout va bien. Ah non, il va pas bien là, le monsieur. Tout va bien, super. Il y a des rats, derrière le magasin, il y a des rats, sa mère. Ça pue. Non, il y a pas de rats, monsieur, avec votre capuce là. Ça y est, lâche-moi la grappe, toi. Non, monsieur, arrêtez-vous, monsieur. Mais j'ai fait. D'accord, je sors. C'est bon, laisse-les, barrez-vous, arrachez-vous là. C'est où? D'accord, je sors pas du coup. Allez, au revoir. Ah. Oh! 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 Attends, ouvre, regarde, j'ouvre le petit truc là, donne-moi ton portable. Donne-moi le petit truc. La plage arrière. Et moi je voulais juste brûler le 4x4 de Björno. En plus, à l'heure on disait pourquoi on cherche les Trini. Et pourquoi on les cherche? Parce qu'ils t'ont volé le calibre, t'es con quoi. Ah oui, c'est vrai. En plus, Tigri, tu t'es pas vanté que tu l'avais le calibre? Ouais, à l'aise. Ah ouais? À l'aise. On l'a chopé. J'ai pas raison de mentir. Putain, hein, quand, non, j'ai pas menti, quand on fait des gars. Plans de fou, on n'arrive pas à les attraper et là on arrive. La vie de ma mère. Après, je sais pas trop où tu vas là, je crois. Si, je sais où après, je vais parfaitement. Je te demande pas que si on le ramène à quelqu'un, il va être content. À qui? Avec qui on était hier, sans dire de prénom. Il s'appelle comment le mec derrière là, dans le coffre? Tigré. Il s'appelle Tigré. Tigré? Oh, si tu veux, je t'achète tes véhicules et j'ai le. Ah oui! C'est pas fini aussi, Tigré. Il est où le mec qui m'a balancé au poyos là? Il m'a dit, je suis au courant, il est pas mort? Oui, c'est vrai, mais gueule que ça. Je l'ai pas encore fait. Ah, ok. Et mon tech. Ah ouais, mais. Distribuc. Ok, c'est vrai, les mecs. Allez, grimpe! Grimpe, Tigré, avant que je te tigre la tête. Attends, mais vous. La voiture, elle a explosé. Oh, ah! Non, ça c'est avant, c'est espèce de petite salope, oh, oui, c'est Miguel. Oh. Mais j'avais oublié aussi, tu te rappelles pas quand on a voulu les tabasser et que son gars il m'a frappé pour que je me fasse arrêter? Ah oui, c'est vrai ça. J'ai perdu un Tech 9. Merde. Grimpe. Mon dieu, Tigere. Il n'arrive pas à se lever. Ça c'était mon quartier avant. Comment ça c'était ton quartier avant? Quand j'étais 18. Ah ouais? Oui. Ok. Oh, Tigere. C'est... Là, mets-toi là, ici, face là, à la table. Commencer. On va commencer doucement. Ton gars, il est où là? Quoi avec vous? Ça, c'est pas tes histoires. Il est chez lui. Il est chez lui, tu l'as pas canné? Putain, mais c'est le bordel dans les poches. Pourquoi vous rangez pas vos poches? Il gérait des trucs poches. Pour moi, donc je devais récupérer des choses et après je le canne. T'as même pas de munitions? J'ai pas fait la soirée même, j'ai pas eu le temps. En fait, j'étais sur un gros truc. T'as même pas de munitions. Comment ça s'est passé? T'as même pas de munitions. Pour le Tech 9. T'as même pas de munitions. J'avais un Tech 9. Quand. T'as même pas de munitions. Sinon, après ça, si tu veux. T'as même pas de munitions. Non, j'ai pas de munitions, ça me sert à quoi en ce moment? Miguel, redis-le encore, s'il te plaît. Bah, il me répondait pas. Ah. C'était quoi la question, Miguel? Non, j'ai dit, t'as même pas de munitions. Non. Bon, déjà, pour commencer,
Donc t'as pris l'arbre à Miguel, donc ça fait moins 1. À cause de toi, ta petite snitch là de chez toi, elle m'a attaqué, je me fais attraper, je perds un Tech 9, je perds 70 balles de SMG parce que je venais de racheter. Le compte il est lourd là, tu sais qu'il est très très lourd le compte là. 700 000 Tech 9 herbe, non? Sinon Vertigo, tu peux me laisser du temps, je laisse le petit temps, qui là, doit là. Canner, il charbonne sur ça. Non, écoute-moi, écoute-moi. Il donne ton argent, il meurt en même temps. Tu sais, dans la rue, il n'y a pas de délire, ça. Tu me passes ce que tu me dois, et après, tu t'occupes de ton petit comme il se doit. C'est pas j'attends que le petit charbonne. C'est beau, là, c'est tu me passes ce que tu me dois, c'est ton petit, t'assumes ses conneries. Je veux mon argent, One Tech 9, le calibre de Miguel. J'ai même pas... Miguel, tu veux le récupérer? Oui, je veux le récupérer, Vertutu. Ben, un calibre, un Tech 9. C'était mon pétard préféré, il y avait marqué Miguel dessus. Tu t'en rappelles? Il y avait marqué pétard de Miguel. Oh, je te dirais quand je les aurai, j'ai même pas de Tech 9. Non, c'était un Glock, moi. Ah, toi, c'était ton Glock. Oui, c'était mon Glock avec marqué pétard de Miguel. Il y avait une lampe torche dessus. Tu vas me dire que là, chez toi, t'as pas 150 000 dollars. Chez moi, là, avec tout ce qui va, j'ai pas 150 000 dollars. T'as pas 150 000 dollars. J'ai pas 150 000 dollars. Ok, mais toi, deux genoux. Et peut-être qu'il pourrait t'en rester plus qu'un seul. Calme-toi. Et on parle de temps, c'est rapide. Y'a pas de temps là-dedans. Là, tu m'arraches les deux genoux. Là, j'ai... Je t'en arrache un. Écoute-moi. Ou une cheville. Ou une coude. Écoute bien ma voix. Ou le tête. Là, ce soir, je veux au moins le prix du Tech 9. T'as j'en ai marre de te courir. Oui, derrière, on a trop fait les gentils. De péter les plans, de rien te dire, de venir chez toi, te prévenir que ton petit snitch, qu'il a fait une dinguerie. Donc là, moi, tu vas me passer mon argent ou tu vas me payer ta vie, hermano. Ça y est, c'est on fini. Est énervé. Là, Dark Vagos. Ok. Calmez-vous tranquillement. Devrais-je dire peut-être Vagos sombre, vu que tu es québécois et que les Québécois vous traduisez tout en français. Comment ça, je suis québécois? Tu n'es pas québécois? Tu confonds Miguel. Ah si, lui aussi il est québécois. Miguel, ouais. Tu confonds là. Ah, je confonds. T'es canadien? Non, lui aussi il est canadien. T'es canadien, non? C'est une foule, t'es canadien, non? Il est mexique, mais. Bon, c'est bon, oui, d'accord, oui. Voilà. Bah bref, tu as compris la blague, quoi. C'était un peu longue, mais ça va, on a compris. Bon, bref, écoute-moi. La gosse sombre. Y a pas de attendre que t'as les dineros. Là, tu vas appeler tes petits. Ils me ramènent le prix de Tech 9 ou l'équivalent. Je sais pas, tu te démerdes, tu regardes ce que t'as dans tes poches, dans tes coffres. Ne me parle pas en drogue. On bat les couilles, ta drogue, moi. C'est combien le Tech 9 Un million. Et tu l'achètes, toi. Bon, calme-toi, Miguel. Il n'a pas tort, hein. Ça coûte cher, un Tech. 110 000. Vous les achetez 100, les gars, vous faites arnaquer, hein. Bah, tant pis, je te dis le prix que j'ai acheté. Ramène-moi un Tech 9 et je te demande. J'ai pas la blague. Mais si, parce que t'as vu, genre. Si tu me ramènes un Tech 9. En gros, je voulais dire Dark Vador. Dark Vador, Dark Vagos. Ok. Et en gros, vous, les Québécois, genre, par exemple, Star Wars, vous dites. T'as fait la guerre des étoiles. Non. Lucas, vous dites bagnole, tu vois. Donc, du coup, en gros, la blague. Pas de problème. Mais y'a pas de balai là. C'est exactement, vous traduisez tout. Donc au lieu de dire Dark Vagos, c'est Vagos sombre. Tu repars pas d'ici tant que j'ai pas mon dû. Mais là, tout de suite maintenant, y a pas ton dû, faut que j'aille collecter. Écoute-moi. Ils pourront pas le faire solo. C'est pas mon problème, hermano. Quand ton pote il est venu, il m'a mis un taquet et qu'il a rigolé, c'était pas sans problème ce qui allait m'arriver. Donc maintenant, tu assumes les conséquences. Donc maintenant, je veux ce que je te dis. T'as compris? Vagos gentil, c'est terminé. Maintenant, c'est Vagos énervé. Regarde, je vais te passer ton portable là. Tu m'écoutes? Je vais te passer ton portable. Tu vas les appeler. T'as compris? Et je vais voir ce que tu as avec ton téléphone. Et tiens, prends ton téléphone. Regarde. Prends ton téléphone. Je les aime trop les Trini, ça me casse les couilles d'en faire la guerre. Ah, au début, genre badge un mois, je mets un badge prend un Beretta. Alberto Del Rio, tu vois, tout le monde s'en bat les couilles, tout le monde a la haine. Badge de mois, je mets genre... Attends, tu crois m'échanger un Tech 9 quand t'as la Beretta? Attends, je vais prendre plus de vraiment en ce moment. Dama, un an. Vertigo, y a pas de Mysterio, c'est pas mon problème. Deux ans, Undertaker. Je veux pas de drogue. Trois ans, John Cena.
4 mois. Batista. 5 ans, Rangerton. Là, tu lui as dit qu'un pistolet. Non, non, on va en ramener plus. Demande ce numéro, je l'appelle. Vas-y, je te donne 100. Vas-y, numéro, c'est le 555-9139. 9139. Attends, je l'appelle en FaceTime. Attends, je te rappelle en FaceTime. Y'a pas de FaceTime. Mais tu es con, je te rappelle. C'est moi, c'est Miguel, je te rappelle en FaceTime. C'est trop le vaillant celui-là, il n'y a pas de FaceTime, tu vas voir. T'es nique ta mère. Allô ? Oui, oui, trop du cul. Ah, c'est quoi cette boîte ? Oui, on m'a brûlé. Oh mon dieu. Eh, tu me ramènes mon Glock, avec marqué Glock de Miguel, mon Glock, tu t'en rappelles ? C'est une dinguerie, comment il est moche. Oui, eh ben regarde ton réflexe. Attendez, oh le cornichon. Mais je vais péter un câble, il se moque de mon tête. Il a dit que je ressemble à un cornichon. Je vais le tuer, hein. Non, je crois qu'on va faire la même chose à Tigger. Non, tu veux pas, t'es sûr? Ouais. Mais en fait, tu veux que je te tutoie et ton réfé? Quoi, Miguel, quoi? Tu veux que je te tutoie et ton réfé? Tu te moques de mon tête? J'ai pas de réfé. C'est pas ton réfé, là, lui, là, derrière? On est égaux. On est égaux. D'accord. Écoute, tu me ramènes mon Glock avec marqué Glock de Miguel, celui que j'ai gravé, tu t'en rappelles? Ouais, je m'en rappelle de celui-là, ouais. Tu me ramènes mon Glock et tu me ramènes le Tech 9 de Vertugo. Pas le Tech 9 de Vertugo. Eh ben, si tu as pas le Tech 9 de Vertugo, tu auras pas le genou de ton égal, t'as compris? Mais quoi, je vais le faire pop par magie. Tu le chies, je m'en bats les coronets, tu te débrouilles. C'est tout. Tout ce que vous avez demandé. Joli. Allez, dépêchard, trou de cul. Chose ou c'est tout? Dépêchard, trou du cul. Vas-y, tiens, je te ramènerai un café. Oui, ramène ta mère, la pute. Tranquillement, Louis, calme-toi. Mais là, il s'est passé quoi avec vos visages? Je n'arrive pas à comprendre. Les Serbes, ils nous ont fait exploser la voiture. Ah. Fallait pas que je dise? Je vais te niquer ta mère, Miguel, quand je te dis, t'avais pas à savoir, ne le dis pas. Les Serbes, ils nous ont fait exploser notre voiture, maintenant ils nous sucent. Oui, et Carla, la femme de ma vie, elle s'est mariée avec un autre homme qui n'est pas moi. Ah non. Et on a tué cet homme-là. Oui, on l'a tué. Ouais. Là, vous sentez beaucoup d'un problème. Ça veut dire que là, dans la bouche, j'ai le goût du sang. Je suis prêt à tuer. Là, ça y est, j'ai franchi un cap. J'ai franchi le cap de la mort. Plus rien ne me fait peur. À part Dieu, évidemment. Mais à part ça. Tu crois en qui, Miguel, d'ailleurs? Pourquoi tu poses des questions sur ça? Écoute, je vais te tuer. Alors les Trini, on s'avance ou quoi? Ok. Ça avance, il est où le pétard? On l'a ton arme, mais le Tech 9, je vais pas le chier, je sais pas il est où. Bah tu faut que tu trouves le Tech 9 pour que ton copain le snitch. Comment je vais le trouver? Comment tu veux le trouver? Snitch. Ton copain le snitch qui a fait tomber Vertugo pendant la course poursuite des Poyos, à cause de ça il a perdu un Tech 9. Mais quel snitch? Mais attendez. Par pitié, remettez les pendules à l'heure là s'il vous plaît. Il a tapé Vertugo parce que vous avez essayé de nous faire un guet-apens. Oui, pendant la course poursuite des Poyos. Y'a rien à voir. Vous étiez dans notre quartier. Connard. Ah, on l'entend plus ta grande gueule. Ah, on l'entend plus. Peu importe. Peu importe. Il a frappé Vertugo pendant une course poursuite des Poyos. Du coup, Vertugo il s'est fait arrêter à cause de lui. Et alors, vous étiez dans notre quartier et vous avez essayé de nous faire un guet-apens. Je t'encule toi et ton quartier, c'est pas t'as notre compris problème. Il a écarté ce qu'il veut. C'est bon, tiens. Mes fesses, tiens. Vas-y. Non. Tu crois que je vais trouver où le Tech 9? Je vais t'envoyer une position et je vais tuer ton réfé devant toi, trou du cul. Waouh, elle est bien mat ta voiture, hein? Ah, c'est senti? Oui, on voit rien. Allô? Miguel, laisse-moi 30 minutes. Ta gueule, connard. Pourquoi 30 minutes? 30 minutes de quoi? Mais 30 minutes, c'est énorme! Tu veux ton Tech 9? Bah, laisse-moi 30 minutes. Mais c'est énorme, 30 minutes! Tu vas faire quoi? Tu vas braquer le LCS? Je vais le chier de ton Tech 9 ou quoi? Putain, 30 minutes, c'est beaucoup. 15 peut-être. Bah, je te rappelle dès que j'ai du nouveau. D'accord, dépêchard. Tu sais qu'au long terme, ça peut te rapporter. Regarde, tu regarderas par la fenêtre, on joue comme ça que je t'ai vu. C'est trop stylé. Vas-y. Allez Santi, je vais te regarder les fesses pendant que tu grimpes. Vas-y. Ça c'est incroyable. Regarde, je t'ai vu depuis la fenêtre.
Il m'a dit ils ont le pétard. Oui, oui, très bien. Il m'a dit ta gueule. Il m'a dit ils ont le pétard mais ils ont pas le tech 9. Donc du coup, connard. Ah ouais ouais. Il m'a oui oui. Attends. Il m'a dit qu'on lui laisse 30 minutes pour qu'il trouve le tech 9. Non, mais le tech 9, il est chez les poyos, hermano. Bah ils vont en trouver un en gros pour compenser. J'ai dit moi je veux le tech 9. Parce que j'ai besoin. Ouais. Tu sens Miguel. C'est un gros marteau, tiens, hein. Tiens, dans ton bras. Tiens, tends-moi ton bras, bâtard. Tiens, ça c'est dans une bras. Boîte. Tiens, c'est... Louis. Oh, c'est un gros marteau que tu vois. Ouais. Louis, c'est me tuer, là. Pété, okay, tu me feras le compte demain, c'est bon. C'est bon. Et sinon, j'ai ça... Ok, ok, ok. Allez, vas-y, viens, viens, descends. Miguel. Oui. Des tenues de policia, ça vous intéresse? Des tenues de policia? Non, merci. C'est gentil. Vous avez vraiment un lien particulier avec les poyos, ça. Que? Des tenues, tout ça. Pas mal, en vrai. Je sais pas, et là, je vais en récupérer. À part si tu envoies en mission les autres. Viens, monte. Mais... Oh, merde. Ouais, là, on a un problème, là. Et t'es mis à poil, je t'ai volé tes habits. J'ai une idée. Allez, ton t-shirt, je te vole ton t-shirt. Le chef des Trinitarios là. Oui. C'est. Tu sais, il y a mon ami Santi derrière. Il a un jouet que j'apprécie. Montre-lui, Santi, ce que t'as. Santi. Voilà, t'as vu, c'est ce que tu me dois. Il est entre les mains. Tu voles ta casquette aussi. Et ton froc et tes chaussures. Attends, vite fait, Miguel. Attends, oui. Miguel. Pardon. Regarde. Il a un Tech 9. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais lui prendre et après, tu lui dois la somme à lui. Lui, peut-être, il va être patient avec toi ou pas. Ça te va? Toi, Sanji. Moi, si je suis payé avant la fin, avant le samedi prochain, ça va. Allô? Avant samedi prochain, il y a de la barbe, Sanji, maintenant? Bah, c'est bon, alors. Parce qu'il est très gentil. Tu as de la barbe, maintenant, Sanji, tu as grandi. Tu sais pourquoi je fais ça? Parce que tu n'es pas un fils de pute, tu guéris. Je t'aime pas trop, mais t'es pas le roi des fils de pute. Tu sais que je suis le seul qui est là pour le business. Bon, déjà, tes gars, ils ramènent juste le Glock alors. Vas-y, Santi, c'est. Attends, je le dis, c'est bon. Vas-y. C'est bon. Je peux avoir mes vêtements. Oui, trou de balle. Oui, c'est bon. Ouais. Ramène. Ouais, cornichon. Je t'envoie. Cornichon. 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 Trou de balle, je t'appelle Cornichon, ouais, c'est gentil. Cornichon, oui, mais moi, je vais tuer ton réfet. Ouais, non, fais pas ça. Dis que c'est moi le plus beau. Viens voir. Il est vraiment trop beau. Super, je vais t'envoyer la position. Tu viens juste avec le Glock, pas avec le Tech 9, t'as compris? Vas-y, c'est bon. Super. J'envoie, non? J'envoie. J'envoyard. Viens, on se met comme ça tous les deux, toi et moi. Et comme ça, ils savent pas qui est le vrai Tigré. Mais attends, mais donne-moi moi tes vêtements, Miguel. Vas-y, tiens. C'est moi que tu portais avant. J'espère que t'avais un flow. Tiens. Je me suis trompé, Tigouer. C'est 90. Bon, ça va jusqu'à samedi prochain, t'as le temps. Si, j'ai le temps, ça va. Santi va te niquer ta mère si jamais tu le payes pas. Hein. Ouais, c'est pire que nous. Ouais, moi, je suis toujours droit. Ah, il a toujours été droit dans les dettes. Miguel! Oh, putain, c'est toi, c'est Tigere. T'as pas mis en plus Pendejo? C'est toi, t'as mis un mannequin. Non, mais là en face, c'est Tigere. Ah, c'est Tigere ça. Attends, mets celle-là plutôt Tigere. Pour voir. Mets celle-là. Non, non, arrête. Putain, je sais pas faire de l'accent. Non. L'accent quoi? L'accent québécois. Non. C'est dur. Yo. Il est quelle heure chez vous? Franchement, là. 17h26. Franchement, là. Mais ça, c'est l'accent de Roubaix. C'est pas des taverdac. Ok, non. Vous voulez vraiment un truc abusé parce que moi, vraiment, je l'ai pas. Hein. Ouais. Demandez au blond. Ouais. Il est où le blond? Il est pas là. Il passe quoi ici là? Ouais. Non, il est pas là. Yo, yo, les gars, c'est moi, c'est Tigré. Yo, ça c'est Miguel, ça c'est raconté ça. Oh, jure Miguel, ah ça va ou quoi t'as dit? Yo. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Yo, c'est moi, c'est Tigré. Il t'est arrivé quoi? Ils m'ont brûlé la tête. Attends, mais. Quoi? Miguel. Avec quoi? Dis qu'il est ok. Quel ok? Je comprends Miguel, plus Miguel, t'as cramé le visage vers Tigouré.
T'es vraiment un enculé. Parce que écoute, t'es racontard de la merde. Du coup, j'ai dû le brûler le visage, le caramel. Le brûlard, j'allais dire, ouais, mais c'est bien bizarre. Bref, tigré de merde. Revoir là-bas, héros de puta. C'est pas vrai, c'est moi, c'est Miguel, je lui ai volé son flow. Mais non. Oh là là. Attends, mais tu crois on rigole? C'est bon, je l'ai. Ah, on rigole moins. Rends mon pétard. Bon, je donne à qui là? À moi. Tu as vu avec quoi je suis obligé de zoner vu que j'ai plus mon pétard? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé vraiment? Ils m'ont brûlé les Serbes. Ah, les Serbes. Pourquoi t'as fait quoi? Miguel, oui, c'est mon pétard. Et mes munitions. Il y a pas de munitions. Il y a pas de munitions. Pourquoi ils ont fait ça? Vous avez fait quoi? Parce que regarde, soulève mes poches là. Y a rien. Y a pas de munitions. Mais vous aussi, vous êtes en déche de munitions? Vraiment. C'est bon. Eh ben, pas nous. Ah là là. Vertigo, il est là, le blanc. Je vais tenter. Ah, il est là, le blanc. Miguel, il t'a dit, parle avec le blanc. C'est qui le blanc? Le blanc, là. Il est là. Oui, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oso, lâche-toi. Lâche-toi, Oso. Pourquoi lâche-toi? Lâche le drapeau. Sur ton accent. Mon accent. Allez. Ouais, vas-y, je peux parler normal, hein. Vas-y, parle normal. Ça va, tu vas bien? Oui, mais je sais qu'il n'y a pas d'accent, mais... Ah, voilà, l'accent. Ouais, pas d'accent. Ouais, l'accent est sorti, là. En vrai, ça va. Tabernacle. Mais attendez, vous croyez qu'on est vos amis ou quoi? Vous croyez qu'on est vos amis? Vous voulez que je vous nique vos mères? Vous voulez que je vous nique vos mères? Je vous nique vos mères, en fait. C'est bon, les gars, c'est bon. Pardonne. C'est un truc de fou, ça. Ça va, les, ça va. Allez, les bagos, venez, on se casse. Au revoir. C'est trop dur d'être méchant avec les Trini, ça. C'est trop des bons. Oh. Et je sais que tu as plus de balles, de toute façon. Faut pas lui dire à Vertigo. Vertigo, il veut pas que je me remette avec elle. Non, mais s'il faut, y'a personne à son tribunal de merde. Mais si. Mais qui va assister à un tribunal de 7 ans? Justement, c'est que la curiosité. Les nounours, hein? Mais à ton avis, pourquoi on a croisé personne? Ils sont tous là-bas. Je suis sûr, ils sont tous là-bas. Ouais, tu penses parce que c'est marié? Pizarro! Hola, comment tu vas? C'est toi comment tu vas? Aïe. Connard de Serbe. Connard de Serbe? Non, je suis pas Serbe, moi je suis Brésilien. Ah, mais oui, mais je te parle de ces Serbes là, je viens de les rencontrer, c'est vraiment des connards. Oui, c'est vrai, ils m'ont brûlé la tête. Et toi, tu fais rien, tu parles avec eux, tu leur tapes la bise? J'ai frappé. Et je vais venger. Ça, c'est pas bien. On a besoin de munitions, de pistolets. Arrête de m'appeler pour ça, je t'ai dit qu'il y avait quelqu'un qui s'en occupait. Mais c'est toi que je veux. Moi que tu veux? Oui. Il veut toi, Pizarro. Oui, mais j'ai pas le temps, en vrai. Bah, nique ta mère! Oh putain, il va me tuer. C'est qui, Pizarro? C'est le cartel. Sale fils de pute, m'a pas de soucis comme ça. Ah si, y'a du ouh. Ok, vous êtes prêts? Attends, je rapproche la voiture. Mais elle a fait quoi? Elle a tué Sadat. T'as la t-shirt rouge là-bas, non? Non, attendez, je rapproche la voiture. Attends, tu l'as beaucoup rapproché là-bas. Ok, vous êtes prêts? Elle a l'intrus? Ok, quoi? Les guitares. Arrachez votre voiture. Tais-toi. Non, s'il vous plaît. C'est une demande en mariage, monsieur l'agent. D'accord, c'est casse juste la voiture et je vous casse pas les couilles. Mais non, justement, la musique est sorte de la voiture. Elle est de la voiture, la musique. Mais... Bon, d'accord. Dégagez, s'il vous plaît. Pourquoi ça marche pas? T'as le gâteau RS. Mais pourquoi ils t'ont écouté? Je vais péter un câble, tu vois. Ok, parfait, attends, je mets pause. Je lui dis sors. Ok, mettez-vous bien là. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez bouger? C'est une demande en mariage. S'il vous plaît, monsieur. Non, il y a une demande en mariage, attends, ta gueule. Venez. Une demande en mariage. Venez. Je veux savoir ce qui se passe ici. Venez devant. Oui, on arrive, La musique, on entendra pas, si. Ok, vas-y. Je suis sûr, on l'entendra. T'as pas devant, Thiago. Il est dit, vous avez quelques tâches. Gardez-vous. Et vous aussi, mon lieutenant. Monsieur. Hein. Vous avez quelques tâches sur votre filet. Lève-moi. Comment? Et moi, un petit coup de torchon. Voilà. Merci beaucoup. Comment t'en bois les couilles? Chante bien, Thiago. Hein. Avance un peu, Rebecca. Non, pas trop, sinon la musique on l'entendra plus. Ah oui, ok, parfait. Tu veux que j'avance la voiture? Non, avance à côté de moi. Voilà. Elle arrive. On y retourne. Oh. Bella.
ciao. De Santiano. Oh bella ciao, là, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao de Santiano. E a te a nueve. Te nueve. E a te no, de Sastio. Sastio. Cazzo, sei qua di vuoto sotto Carla. Andiamo, Carlo. Bella ciao, andiamo, Carlo. Bella ciao. Ciao. Qua? Ti va où? No! No! Sarpi! Carla! Carla! Carla, no! Je fais quoi? Je la brûle? Cours après elle, cours après elle! Mais je veux pas courir après elle! Non, 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 cours pas après elle, c'est bon, c'est une pute! Putain! Juste parce que j'ai tué ton mari! C'est pour ça, hein! Je suis désolé, Miguel, c'est ça? Je suis désolé, Miguel! Juste parce que j'ai tué son mari! Quoi? Eh oui, n'importe quoi, hein! Allez, on se casse! Ouais, y'a pas grand chose à faire! Fuck Carla, c'est bon! Va non, l'écrase. Une autre meuf. Non, non, l'écrase. Carla va payer. Écrase-la, écrase-la. Attends, elle est où? La coachée. Carla! Elle est où? Elle est pas ici, Carla. Elle est partie, c'est la voiture qui est derrière. Elle est partie, la voiture derrière. Là-bas, à gauche, là-bas. À gauche, brise. Derrière, là. Là, elle vient de démarrer. À gauche. Nique ta mère. Mais tu ne revends pas l'école. Après où? Vous êtes où? Mais à gauche. Je vais péter un câble. Voilà, tout droit. Là, elle est en face, ça va, là, elle roule. Vite. Non, on va, ça va, vite. C'est une grise. Okay, bah, on va arriver au quartier alors après. Première là. Là? Vas-y. C'est la deuxième là. Mais là, non, c'est pas elle. Si, j'allais monter dedans, je l'ai vu. Regarde, il y a trois voitures. Bah, mais non, c'est pas Carla. La grise, Miguel, la grise, par amour. Là? Il y a le fait demi-tour là, regarde. Mais non, c'est pas elle. Carla, elle est là. Pardonne. Je voulais pas. Aïe, merde. Carla. Oui. Carla. Ah, attends, je vais contrôler par la police. Attends, arrête-toi. Pardon. Non, ça n'arrêtera pas son cœur. Ça n'arrêtera pas son cœur. Je veux te dire pardonne, Carla. Je prends mon cœur. Carla. Mais c'est trop stylé, c'est comme dans les films. Il y a la police et tout, tu t'en fous. C'est trop bien, vas-y. J'allais Carla. Te faire... Monsieur, il a une peine d'amour, on peut pas l'arrêter. J'allais te faire une demande en mariage. Arrête-toi pas. Oh, bella ciao! Bella ciao! Bella ciao! 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 Fatiani! E forte Juana! Tu Carla, tu partuca! Carla, j'ai une bague pour toi! J'ai une bague! Carla! Mais dis à moi, bordel de merde, Carla! Réponds! Miguel, arrête! Arrête, Miguel! Pourquoi? Arrête! Il t'aime, bordel de merde, il est fou amoureux de toi. Je vais descendre, je vais tuer les poyos Carla par ta faute. C'est trop beau. Carla, écoute ton cœur. Qu'est-ce que tu veux les poyos, qu'est-ce que tu veux? Descends ta voiture. Pourquoi? Mais on se fait contrôler par la police, je t'ai dit. Descends. Moi j'ai un truc sur moi, putain. Marco. Mais pourquoi on descend, pourquoi? Mais on a fait quoi? Descends. Attends, qu'est-ce qu'on a fait? Non, remonte-toi le bal. Conducteur, descend. Mais pourquoi on a fait quoi? Dis-moi ce qu'on a fait. Descends. Dis-moi ce qu'on a fait. Dis-moi ce qu'on a fait. Descends. Il est en peine d'amour, laissez-le. On s'en branle de la peine d'amour. Bah oui, là on. Non, mais jamais été amoureux, monsieur l'agent. Mais si tu continues, tu vas avoir une peine de cul en prison, alors descends. Mais regarde, je vais t'envoyer une photo, je regarde. Nique ta mère. Mais pourquoi t'as fait ça, fils de pute? Qu'ils aillent se faire enculer. Ah oui. Balance un cocktail Molotov. Oh putain, tu veux que je crève les pneus? Mais non. Pourquoi tu dois mettre un cocktail Molotov? C'est des connards, ils me niquent mon amour. Ok. Alors que moi je veux niquer par amour. On a fini avec les poyos. T'as compris? Ah oui, ah j'ai compris. Ah non, le film de ma mère, il y a les poyos qui sont derrière nous, il a balancé des cocktails Molotov. Il veut les foudroyer la nous. Non. Quoi? Marco, il a appelé le chef, il a tout balancé. Je voulais... Oh non. Putain. Oh non, t'es mort. Je pense qu'il vaut mieux mourir par les polios. Oula, polios. Merci en tout cas, merci à vous, vous m'avez aidé. Non, merde, c'était juste pour la perceuse, je voulais pas t'aider. Pire, vous savez quoi? On dit que Marco il a menti et qu'il a voulu retourner vous contre lui. Vous êtes pas chaud, on dit ça? Oui, et après on dit Peter Pan il est venu avec la fée Clochette, il nous aura ramené au pays des rêves. Mais par contre, c'est comment là? Il va voir l'hélico et tout là. Et qu'est-ce qu'on a fait? Ah oui, et putain, pourquoi j'ai lancé un. Mais je lance un cocktail Molotov. On a quand même balancé des cocktails Molotov sur les poignons. C'est vrai, qu'est-ce qu'on a fait? C'est vrai, ça se tient. Qu'est-ce qu'on a fait? J'ai mis mon arme dans la boîte à gants. Oh bah, elle a mis son arme dans la boîte à gants. Attends, je la mets. Bah, si elle la met dans la boîte à gants. Donne la tienne, je la mets aussi parce que sinon. Je peux pas te la donner. Je peux
Putain, il est où NQS? Il est jamais là quand on a besoin, sérieux. C'est n'importe quoi, on veut juste voir une chica, on dirait on a tué Pablo Escobar. Elle m'a envoyé un message, elle m'a dit je squeezie mais je ne peux pas. T'as entendu? T'as entendu? Elle m'a dit je squeezie mais je ne peux pas. Squeezie, attends, c'est quoi ton truc? Elle peut pas, elle peut pas. Eh, mais guarde, si on aime, on fait. Mais qu'est-ce que ton numéro? C'est le. Pas ton téléphone. 77. Au Porteano. C'est bon? L'amour est au-dessus de la raison. Si, c'est bon. Ciao, ciao. Le crâne de Rebecca, il sort du capot. Ouais. Ok. Je vais mettre mon couteau aussi. Tout ça pour une chica de merde. Ah, c'est bon, ils sont plus là. Oh, ils sont couchés tout droit. Oh, les cons. Par contre, tu sais que tu vas avoir un truc de recherche sur toi dans deux minutes, quoi. Okay, et pourquoi? Je pense qu'il... Alors, t'as deux choix, là. Soit ouais, tu vas au quartier, le réfé veut te mettre dans la prison, il a dit. Non. Soit tu n'y vas pas. On dit quoi au réfé au lieu de la vérité? On n'a pas le choix. Mais ils sont là, y'a le repoyos, bordel. Ok, moi je pense vraiment qu'il faut qu'on finisse en garde à vue pour pas que tu meurs. Non, moi j'ai dit non. Je peux brûler le mec en moto pour qu'il tombe sa moto. Ok, vas-y. Mais pourquoi j'ai dit vas-y, putain? Vas-y, fais-le. Fais-le. D'accord, je vais le faire. Peter Pan à l'aide. On décolle. Tu es fier de toi? Tu es fier de toi? T'as niqué l'ambiance, tu casses les couilles, vraiment. Sérieux, parlez. Ah ouais, là c'est... On rigolait bien, tout ça, etc. Elle a niqué l'ambiance. J'avoue, ça a mis un froid. Qu'est-ce que je fais? Okay, oh, bon, attends, bah... attends, je sais ce que je vais faire, c'est bon. Tu n'as toujours pas trouvé de spécial. Non. Ah oui, là c'est... Non mais c'est ça explose dans l'air, ça explose dans l'air. Ah ouais, ok. Smoke carrément. Des jets. Ça sert à rien, ça sert à rien. Non, une entrée. Ça sert. Faites-lui confiance, ça sert. Oui, croyez en moi. Arrête-toi. Non. Tu te mets en danger, sac à merde, arrête-toi. Comment faire pour... Fils de pute, je tire dessus. Je vais faire de la spéciale. J'en ai une, mais je l'ai la first time. Ok. Là, tout de suite, tu l'as first time, là, tout de suite. Oui. Ok, vas-y. J'ai peur. C'est moi qui l'ai inventé. On va pas mourir, au pire des cas, on se fait choper. Attends, mais comment tu as pu l'inventer si tu l'as jamais fait? En gros, j'avais fait des repérages. Non, j'avais vraiment fait des repérages, c'est moi qui l'ai sorti de ma tête. Câble, on est mort, là on va finir tous en garde à vue. Mais je sais plus trop exactement où elle est par contre. Non, mais mourir. Il faut. Ce que tu as déjà fait avec moi? Avec les escaliers? Oui. Oui. On l'a déjà fait. J'espère qu'il va crash. C'est le seul moyen de s'en sortir. Quoi? Mais c'est qui ça derrière nous? C'est là. Je sais pas. Belek, c'est nous, tu nous fais disparaître. Ok, les gars. Ah. Ok. Ah ouais, Mais sérieux. Okay, il a même pas. Plus déjà celui à moto, Miguel. Ah, moi j'ai dit refais-la. Mais c'est pas un keuf celui à moto, je crois. Si. Je crois pas que c'est. C'est pas une moto de keuf, c'est un civil. Moi j'ai dit, tu l'as refait. Mais il anticipe, regarde. Hop, va tout droit. Oh, pourquoi t'es pas passé tout droit? Là, il a dit qu'il revient. Et regarde. Ah, merde. Okay. Oh non. Ah. Je peux passer au-dessus, je passe au-dessus. Je savais. Merde, putain, mais puis la merde, cette spéciale, sérieux. Oui, elle était vraiment éclatée, Miguel. Elle était vraiment hachée. Elle est trop satisfaisant, le bruit. Tu dirais, j'appuie sur espace. Ah. Tu veux pas te sacrifier, Thiago, tu descends? Fils de pute. Ils s'en foutent, la dernière fois, on l'a fait, ils sont passés à côté de nous. Ça sert à rien. Il cherche le conducteur, là. Non. Non, quoi? Doucement. Quand tu conduis, doucement. Doucement. Samura! Non! Il est fou!
J'ai vu la mort, je vous jure, j'ai vu la mort. Moi aussi, j'ai vu la mort. Moi aussi, je me suis dit, c'est coûte que coûte. Putain, mais non, mais il est encore là. Mais c'est pas possible, ce mec, sérieux, je te l'ai dit. Le seul moyen qu'on survive, c'est qu'il faut qu'il crache. On descend, on le braque, sinon. À l'ancienne. J'avoue, ils sont que deux, ils sont que deux. À l'ancienne, ils sont que deux. J'ai pas de pétard. J'ai pas de pétard. J'ai pas de pétard. Non, bah laisse tomber, laisse tomber. Mais c'est ça, non, Miguel, moi j'en ai un. Non, non, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. On est deux contre quatre. Remets tout dans la boîte à gants. Remets tout dans la boîte à gants. Ok. Vous avez pas de. Attends, il y a mes musclés. Moi je crois. Ah, mais le métro. Venez, on se parle dans le métro. Tu parles de la voiture. Le métro, le métro. Non, trop risqué, trop risqué. Métro, boulot, dodo. Faut que tu fermes. Si, c'est bien, c'est une bonne idée, mais faut que tu fermes la voiture pour pas qu'ils prennent nos armes. Si on court, faut vraiment que tu fermes. Attends, 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 je regarde sur la map où est-ce qu'il est le métro. Ah, y a pas de métro. Ah, bon, le métro il dort. Hein. Si, 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 il est tout à droite, il est là. Ouh. Le métro. Il faut qu'on prenne le métro, Miguel. Oh, putain. Miguel, Miguel. Oui, s'il te plaît. Oui, c'est fort. Let's go. Oh putain. Let's go. Il est pas sale. Moto de merde, il y a une moto derrière nous. Faut que ça accélère. Accélère. Allez Miguel, turbo. Le métro il est là. Il est où? Il vient de passer. Ok, mais... attends. Oh, y'a un mur. Prends le métro. Je vais bien, je vais bien, je vais bien, je vais bien, je vais bien. Non, dehors. Oh putain, je suis allé sans savoir si c'était un cul-de-sac ou pas. On aurait pu blacker, hein. Oh. Mais il est revenu lui, mais comment il fait? Mais c'est Superman, hein. Non, il y a deux voitures maintenant, c'est bon, on est mort, voilà, c'est bon. Putain. Bravo à tous. T'inquiète pas, je vais les somar, je vais les somar. Tu vas les somar. Je vais les somar, Inch'Allah. Venez, on va jusqu'à Cayo Perico. Faut se rappeler de la raison pourquoi on fait ça là actuellement. T'as trouvé un bateau. Ils ont pas de bateau chez les Poyos. Comment faire? Et on peut pas appeler Louis et il nous trouve un bateau? Miguel, pourquoi tu nous fais pas confiance? Le métro. Le métro? Vas-y, dis-moi à quel métro, à quelle bouche de station de métro je vais. Ok, il faut qu'on regarde. Louis, est-ce que tu penses tu peux nous trouver un bateau? Oh merde, putain. Parce qu'on a tous les Poyos sur suffit. Nous là. Allez, ça suffit, vous mettez des vies en danger, bordel de merde. Si, on a 4 voitures et 2 motos. Si, on a besoin de trouver un bateau, s'il te plaît. Doucement, aïe. Pardonne. Désolé. Désolé. On est inarrêtable. J'ai pété un câble, comment ça tu... Mais comment tu l'as écrasé? Tu l'as écrasé? C'était lui ou nous? C'était lui ou nous? La voiture elle commence vraiment à être, pas être super. Tout en haut, il fallait que tu ailles tout en haut, le métro il est tout en haut. Je vais où? Je vais où? Je vais où? Ah, tout à gauche, regarde. À gauche, le métro, tout à gauche. Tout... Je peux pas voir tout le GPS? Oui, tout en haut. La voiture elle roule plus trop, hein. Allô? On a un bateau, donne sinon. Le métro il est là. Bateau, vous voulez bateau ou métro? La voiture elle fume. Dans 5 minutes ils ont le bateau, on fait quoi? La voiture elle fume. Il y a trop d'informations. Si, le métro. Personne qui a le numéro de Lester, comme ça on a plus les Poyos. Je sais pas, je te dis. On va te faire enculer. C'est une bonne idée, tu crois? Non. Là, métro. Faut s'arrêter les gars, faut s'arrêter là. Métro, il va partir métro à pire. Stop! Vite, passez, je couvre vos arrières! Ah! Cours! Crame-le! Oui, je crame! Je crame! Attends, passe! Passe! Oh non, fils de pute! Ah! Arrêtez-vous, je tire! Ah, mais je fais cramer la gueule! Ah! Lorio! Prends la voiture! Ah! Non! Je suis pas mort, Miguel! Tu es pas mort? Il nous tire dessus, c'est la merde! Les pneus, ça va? Oui, les pneus, ça va, d'accord!
les pneus ça va. Tu es pas mort? Thiago et Rebecca ils sont morts? Je pense. D'accord. Toi tu es mort ou pas? Je suis pas mort moi, toi tu es mort. Je suis pas mort non plus. C'est vraiment la merde. C'est vraiment la merde, là si on nous arrête, on est mort hein. Oui, tu as brûlé au moins 5 flics. Comment j'ai fait pour m'en sortir avec toi? Courage. Courage, Lorio. Je suis là. Non, non, tente pas des trucs bizarres. Tente pas des trucs bizarres. Fais confiance. Justement, regarde. Je suis Vin Diesel. Je suis Vin Diesel, Lorio. Je suis Vin Diesel, Lorio. Regarde. Tokyo Drift. Tokyo Drift. Tokyo Drift. C'est James Bond, ça. Oh, oui. Oui, il boss. Ouais. Attends, je vais la mettre. Vas-y, mets-la. Non, je vais te faire strike. Ah, tu vas te faire strike, c'est oui. Oh non. Je l'aime trop, cette musique, en plus. Nima, nima, nina, no. Nina, nina, mo. Manana, nina, 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 nina. Je suis en train de les semer. Ah, y'a un gros bateau en bas, tu veux pas comprendre le panneau? Vin Diesel! Vin Diesel! Cours, cours, courez, courez, Lorio! Cours, Lorio, cours! Le parc! Le parc! Le parc est Le parc est après! Le parc est après! Crame-le, crame-le! Igor, crame-le! Heureusement, c'est un cadet, je crois qu'il a pas de pétard. On fait quoi? Le bateau! Il y a un bateau! Lorio! Lorio, je l'ai eu! Cours! Cours, 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 cours! Grimpe dans le bateau, grimpe! Viens, on se cache là, ils vont croire. Ça peut se conduire, ça? Ça se conduit, ça? Ah, Miguel, 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 saute dans l'eau, saute dans l'eau! Il pense qu'on est dans le bateau! Saute dedans, dedans, dedans! De quoi dedans? À gauche! Non, on va au paquebot, jetpack là-bas, le paquebot, Viens. J'en ai marre de ce mec, sérieux. Allez, nage, Lorio, nage. Il monte dedans, il monte dans le bateau. Oui, oui, nage au paquebot. Allez. Il nage derrière nous. Miguel, il nage derrière nous. Nage. On arrivera en premier. En 2022, les téléphones, c'est waterproof ou pas? Oui. T'es sûr? Bah oui. D'accord. Louis. Allô? On est en train de... avec un bateau. Mais y'a plus d'essence, putain. Oh putain. Je me donne un bateau sans essence. On est en train de nager. Mais j'ai plus d'essence dans le bateau. Je suis mis de l'eau. Oh non, t'es pas sérieux! Senti me l'a frassé, ça m'a coûté 80 000, je crois, y'a plus de sang. Non, qu'il aille se faire enculer, Senti, trouve un. En gros, t'as vu le paquebot qu'il y a blanc là? À côté de la position oui. Que je t'ai envoyé? Oui. On va se réfugier là-bas. Ok, vas-y. D'accord. J'arrive. Mais putain, tout ça à cause de l'amour, sérieux! L'amour, fils de pute! L'amour! Il est derrière nous! Là, à droite! C'est plus l'amour, c'est la mort! Attends, mais on fait quoi après avec le paquebot? On essaie de le démarrer? Vas-y. Mais pourquoi je dis vas-y? Ah
Ah oui, ils sont derrière. Mais de toute façon, s'ils essaient de grimper, je brûle. Comme ça, ils peuvent pas grimper. Carla Nicolasson, je vais peut-être aller en prison à cause de tout ça, de cette histoire. Les Poyos, ils m'ont poursuivi. Je les ai brûlés. Et là, maintenant, je suis en plein milieu de la mer. Je suis sur un bateau et les Poyos, ils m'ont encerclé. Donc avant que j'aille en prison ou que je meure, je tenais à te dire que tu étais la femme de ma vie. Dommage que tu as voulu couvrir Milo, mais j'étais prêt à te pardonner. Mais c'est pas grave, maintenant c'est fait, d'accord? Bene. Alors, fais attention et arrivederci. Ah bah super, bah merci, au revoir. Elle t'a dit quoi? Elle m'a dit, bene, bah fais attention et arrivederci. Les jet skis qui sont là. Non. Détache-les, Miguel. Il marche pas, il marche pas. Regarde, je le détache. Allô. Je voulais dire que si tu avais pas fait toutes ces choses, si tu... Attends, je peux pas, Carla. Envoie-moi un vocal, por favor. Normalement. Non, ben non, on peut pas le tirer et tout. Il faut des trucs que je sais pas faire. Attends, mais pourquoi je t'entends pas? Tu m'entends? Oui, c'est parce qu'il y a une différence entre dedans et dehors. Ok, là, il y a une bonbonne. Pourquoi on peut pas la prendre? Bah alors, explique-moi. T'as dit quoi? Oui, je suis là, pardon, je lis ADM. Y'a une bonbonne, pourquoi on peut pas la prendre? Hein? Y'a une bonbonne, pourquoi on peut pas la prendre? Oui. J'en sais rien. Mais on peut la prendre. Alors Miguel, vous êtes sur le bateau? On est toujours sur le bateau, oui. Et bah, je suis en train d'arriver le plus vite possible là, t'as vu, je suis à Manhattan. D'accord, super. Attends, mais je crois qu'il y a un poyos qui essaie de grimper. Oh, y'a un poyos collé à nous! Ils sont juste là, Lorio! Ils sont... Lorio! Oui, je suis là. Je suis là. Mais viens, on se barre. Mais oui, mais on se barre comment? Il y a Louis qui arrive avec un bateau. Il faut viens, pas... on se cache. Viens. Mais ils sont juste là! Ils sont juste là, là, juste ici. Viens, monte. Là, juste là. Bon. Mais non, Lorio, il faut qu'on reste dessus, comme ça, s'ils veulent monter sur le bateau, je les brûle. Tu comprends? Ok, je le vois, il est collé. Mais ils vont venir avec des hélicoptères. Et on est baisé. Tu comprends? Pour l'instant, il n'y a pas d'hélicoptère. Et Louis, il arrive. Ok, viens, moi je pense. Regarde, Miguel, viens. Oui, oui. Je pense qu'il faut qu'on le bait. Là, il pense. Vite, merde. Ah, je brûle! Je suis vraiment super très blessé. Je vais faire brûler le bateau et on va être encore plus mort. Je suis super très blessé. Oui, mais c'est normal, ça arrive. Je vais mourir. Oh, je brûle, Lorio. On va brûler dans le bateau. Oui. Je suis là. Tu es où? On est à l'arrière du bateau, à l'arrière. C'est où l'arrière? C'est lui. Tu vois un bateau? Là, devant nous. C'est lui. Viens. Oui. Oh merde. Le bateau, il brûle. Vite. On est là. Vous êtes que deux? Oui, deux. C'est qui lui? Non, aïe, je suis tombé. Ah, t'es sûr? Regarde. Regarde derrière toi. Dégage. Vite, roule. Comment je m'accroche? Tu as accroché là? Jetez-le. Oula. Enlevez la musique. C'est son téléphone. Qu'est-ce qui se passe là? Ok, on l'a acheté. C'est sûr qu'il est pas mort dans l'eau? Non. Ouais, c'est bon, c'est trop content. Je suis trop content, je pleure. C'est trop bien. Sauvé. Oui, j'ai cru qu'on allait mourir. Louis, il vaut... Là, c'était notre dernier instant, vraiment, Miguel. Attends, Thiago, il m'a appelé. Il va bien, Thiago? Et Rebecca, elle m'a appelé aussi. Allô? Rebecca, elle est encore dans le maison. Vous en êtes sorti? Oui, et toi? Parfait. Arrête! Eh, hey, il y a les cours. Je me suis enfui. Après, je l'ai tabassé, c'est relevé. Après il m'a tabassé lui, et après on a fait un 1v1, on est reparti chacun dans notre coin. Et elle est où Rebecca? Elle s'en est sortie elle ou pas? Elle est dans le métro. Alors là... D'accord, on arrive au barrio. Vas-y, parfait, on se retrouve. Ok, là tu vois, c'est le moment où tu vas te faire niquer ta race. Espèce de sombre merde, tu vas te faire niquer par Vertugo. Oui. C'est qu'en plus on avait capturé la meuf des Serbes. D'ailleurs, pourquoi tu as récupéré les cocktails? Comment? Pourquoi? Tu les avais plus. Depuis quand je les avais plus, moi? Si, à un moment, tu les avais plus. Je les ai toujours eu, hein. Si, je te jure que t'as besoin. J'étais un cocktail molotov sur les poils, je sais.
Pour ? Je sais pour qui. Écoute-moi bien, Miguel. Oui. T'as vu ? Voilà. Tu me prends pour un con. Pourquoi ? Hein ? Aïe ! Tu vas chez les champs Greta et tu commences à crier « Aïe !» Carla comme un bon petit larbin. Hein ? J'ai crié quoi ? Carla, Carla, Carla ! Oui, c'est vrai. Comme aïe un bon petit larbin, pendejo. Aïe hein ! C'est comme ça ? Je suis amoureux. C'est aïe ça, les vagos ! Je suis amoureux. Ton amour. Je suis amoureux, vertu. Tu comprends pas, toi, l'amour ? Non, je comprends pas, y'en a pas d'amour. Si, moi, je l'aime. Je suis... Aïe ! Non, pas elle. Tu pourras me frapper, je serai quand même amoureux. Ok, ben je vais la tuer. Tu pourras la tuer, je serai quand même amoureux. Oui, ben tu seras amoureux d'un mort. Ben, d'une mort. T'as vu ? Tu t'approches plus de Carla, tu comprends pas ? C'est pas dans le plan, Miguel. Je vais continuer à m'approcher de Carla. T'es sûr ? Oui. Donne-moi ta massue, Louis. Louis ! Ramène-moi ta main, viens. La prochaine fois que tu me mens, pendejo. Mais pourquoi ? Je t'en... Mais pourquoi tu m'as fait ça ? Parce que quand je viens te... quand je t'appelle, je te dis tu fais quoi ? Tu me dis tu fais rien alors qu'il est en train de crier sur Carla. Donne-moi ta massue, toi. Il m'a fait de la peine, je voulais le protéger. Bon, bah les couilles. À peine, hein. Mais hier, quand fallait nous défendre, il n'y avait personne, hein. Mais tu vas continuer à la voir. Oui, vertu. Aïe ! Tu vas continuer à la voir ? Oui, vertu. Aïe ! Non, au bout d'un moment. Aïe ! Non, mais ça y est, au bout d'un moment, elle t'a battu, là. Aïe ! Là, mourir, là. Aïe ! Ça me fait mal ! Tu me fais mal ! Arrête ! Tu préfères ton jefe ou Carla ? Je préfère toi. Eh ben alors, tu vas arrêter de la voir. Non, vertu. Aïe ! Hey, j'ai croisé Rebecca, elle était en train d'envoyer des nudes, je crois. Non, attends, attends, je vais t'expliquer bien. Ok. Tu vas continuer à voir Carla ? Oui, vertu. Mais elle veut plus de toi, elle ne veut plus... Aïe, vertu, arrête ! Écoute-moi, écoute-moi, mon frère. Tu oui, m'écoutes ou pas ? Oui, vertu. Je vais te le dire, je sais que t'es amoureux. Elle est vouée à mourir, elle va mourir. Non, vertu. Elle va mourir demain ou après. Si, elle va mourir. Non, vertu. Si, elle non, va mourir. Vertu. La vie de ma mère qu'elle va non, mourir. Non, vertu. Tu sais pourquoi elle va mourir ? Pourquoi, vertu ? Parce qu'elle va mourir, hermano. Pourquoi, vertu ? C'est pas moi qui va la tuer. Pourquoi, vertu ? Parce que elle a tué Milo. Non, vertu. C'est toi qui l'as forcé à tuer Milo, vertu. Bro, là, tu la défends elle et tu me balances à moi ? Ah non, toi, tu le sais très bien que toi, tu... Oui, mais moi, je le sais. Mais devant son, devant le Don, tu vas dire quoi ? Ben non, je vais pas te balancer. Tu vas dire quoi au Don ? Je vais rien dire au Don. Pas mes affaires, moi, je l'encule le Don. Moi, je vais le voir, je vais lui montrer la vidéo. Oui. Et il va dire quoi ? C'est Carla qui a tué. Oui, vertu. Pas nous. T'as vu demain ? Oui, vertu. On va voir le Don. Miguel. Oui, sur la Santa Maria, sur mes enfants qui sont au Mexique, tu vois ? Oui, vertu. Les petits anges que j'ai laissés là-bas. Oui, vertu. Demain, tu protèges Carla en disant que c'est moi qui a forcé à la tuer Milo. Hein ? Je te jure que je te tue. Oui, vertu. T'as vu ? Je te mets dans de l'acide, je sais pas, je vais trouver une solution, t'inquiète pas. D'accord, vertu. Parce que là, t'es en train... là, tu commences à nous faire peur à tous, là. Pour l'amour, tu fais n'importe quoi. Pardon, hier, elle t'a mis dans la merde, et là, tu lui cours derrière. Carla, 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 je t'aime, mon amour. Oui. Carla, je t'aime. C'est vrai, Carla, je l'aime, c'est vrai. Vie, c'est vrai, je l'aime. Non, bébé, je peux pas vivre je l'aime. Toi, Carla. Oui, c'est vrai, Carla, c'est vrai, c'est vrai, je l'aime, oui. Comment ça, tu l'aimes ? Raté. Aïe, vertu ! Non, c'est grave, Miguel. C'est grave, Miguel. Tu me déçois, là. Pardonne. Mais Lorio, comment ça, il te fait de la peine ? Il était amoureux, il m'a fait de la peine un peu. Il t'a fait quoi ? Je m'en bats les couilles de ce mec et de Carla. Tu comprends ? Carla, tu l'aimes plus ! Si, je l'aime. Tu l'aimes plus ? Si, je l'aime, Lorio. Oui, je sais que tu l'aimes. Oui, je l'aime, Lorio. Mais quoi ? Mais je l'ai chuchoté dans l'oreille ! Mais... Aïe, vertu ! Une pièce qui résonne, pendejo. Aïe ! T'as fait quoi avec elle ? Avec elle ? Vas-y, me mens pas. De toute façon, tu vas pas me mentir. On était avec Thiago, Rebecca et Lorio. On s'est mis devant le tribunal là où elle était. On a chanté Bella Ciao. Pourquoi c'est tu rigoles ça. Mais non, Bella Ciao, c'est italien, trou de balle. Non, non. Mais si. Non. Mais si.
Non. Si, c'est mais c'est italien, ouais, trou mais, du cul. Mais non. Mais si, bella ciao, ciao. Bella ciao, ciao, ciao. Non, ciao. O porteano, un marachina. Bella, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una Martina, au. C'est espagnol. Non, c'est italien. C'est moi qui décide. Aïe, arrête. Vertutu, je l'aime, tu comprends ou pas, tu comprends? Non, je comprends pas. C'est comme toi quand tu aimes toutes les filles de la ville ou quand lui il est amoureux de biker. Je n'étais pas amoureux du biker. Comment ça a fini avec le biker? Quel biker? Avec Mads, comment ça a fini? C'est l'Imbrabus, il l'a tué. Eh ben voilà, là ça va être Guido Sangreta qui va la tuer. Passe à autre chose, vraiment Miguel. T'as vu, hier tu m'as dit quoi? Hier tu m'as dit pardon Vertugo, t'avais raison. Pourquoi tu m'écoutes pas quand je te donne des vrais conseils? Le cœur a ses raisons que la raison connaît pas trop. Okay. Eh ben non, moi, que la raison ignore. Oui. Eh ben moi je suis là pour toi et je t'ai dit... Saute. Chips L'Oreo. Merde, j'ai dit L'Oreo, putain, je suis trop con. Ouais, et en plus tu me l'as dit, je savais pas. Ok, et en plus, je t'ai dit, passe à autre chose, il y a plein de chicas. Non, Vertutu. Elle va mourir. Non, Vertutu. Je te jure qu'elle va mourir. Non, Vertutu. Marco, hier, il me l'a dit. Je vais tuer Marco et je vais tuer le Don. Mais arrête de vouloir tuer ma femme. Mais arrête, aïe. Arrête. Saisis-toi, c'est quoi ça? Tu vas mais parler c'est grave, il veut tuer. Carla, Marco, Francesco, le Don, ils veulent te toire, il faut que tu fuis. Ils l'ont dit à Vertugo, ils vont te toire. Aïe, trop tard, je l'ai envoyé. Ah si, aïe. Non, je l'ai envoyé. Je l'ai pas envoyé là. Si, je l'ai envoyé, je te jure, je l'ai envoyé. Je te jure, je l'ai envoyé. Dis-lui, le message n'a pas pu s'envoyer. Non, si, je l'ai envoyé. Je l'ai envoyé. Mais tu casses les couilles, putain. Tu casses les couilles. Je vais la sauver. C'est pas toi qui décide. En fait, là c'était dans mon plan qu'elle meure. Là t'es en train de dire des trucs. Je veux pas qu'elle meure. C'est Carla, c'est mi corazon. Mais c'est pas toi. C'est mon petit papillon. En fait, hier, t'aurais jamais dû aller dormir, t'aurais dû... C'est dark, là t'es mou. Non, t'es vraiment je suis pas mou, je suis amoureux. J'ai pris ma vengeance, son mari, il est mort. Je vais pouvoir me marier avec elle. Elle veut plus de toi, elle me l'a dit. Non, c'est pas vrai, elle a pas le choix. Mais je peux la conquérir. La vie de ma mère, elle m'a dit c'est, oui, je sais. Mort, c'est fini. Oui, je sais, mais je peux la reconquérir. Non, si, t'en je pas peux. Elle va mourir avant. Non, parce que je vais la sauver. C'est moi qui vais la tuer, c'est bon. Envoie-lui un message, tu lui dis c'est Vertugo, il va te tuer. Non, tu vas pas la tuer. Tu paries? Non. Vas-y, va dormir à 1h du matin, tu verras ce que je vais faire. Je vais rester jusqu'à 5h. Je vais rester jusqu'à 6h même. Je vais rester jusqu'à 7h. Jusqu'à 8h. C'est quoi, je vais dormir et je te banne. Le temps que je te banne pendant genre 12h. Aïe. Nique ta mère. Aïe. Nique ta mère. Mais tu me casses les couilles. Non, mais c'était dans mon plan. En fait, personne m'a dit qu'ils allaient la tuer. Parce que là, t'envoies un vocal qui sert à rien. C'est moi, quand j'allais montrer la vidéo, ils allaient la tuer. Mais tu casses les couilles. Elle m'a répondu. Tu casses les couilles. Elle t'a répondu quoi? Carla! Fais ce que tu dis. Mi corazon. Un peu de fear. Mi corazon, il faut que tu fasses attention à ta propre famille, ils vont te tuer. Tu me racontes, Miguel. Écoute, ils l'ont dit, ils vont. Mais non, ils m'ont pas dit, je te dis. Tais-toi, arrête de me frapper, toi! Ils vont quoi te. Quoi? Aïe, raté, ils vont te faire du mal, Carla. Ils vont te faire du mal, je te jure, il faut que tu fuis. Prends la fuite, aïe. Comment on fait pour le faire? Non. T'as dit ça, Miguel. Je peux pas te dire, je peux pas dévoiler mes sources, Carla, il faut que tu fuis. S'il te plaît, dis-moi qui t'a dit ça, s'il Miguel. S'il te plaît, Carla, crois-moi, prends la fuite. Ils vont te tuer. Mais dis-moi qui t'a dit ça. Je peux pas, Carla, je peux pas, mi corazon. Pourquoi tu peux pas? Je peux pas, il faut que tu prennes la fuite. Si c'est vrai, tu dois me dire qui t'a dit ça. Il faut que tu prennes la fuite et après je te dirai. Ah non. Ah oh là là, je lui ai pris son téléphone, tu vois. Oui, allô Camélia. Oui Camélia, comment tu vas? Tiens, je te le rends maintenant. Merci. Oui Camélia, tu m'entends Camélia? Mais c'est pas pour la rappeler. Je prends lui. Carla, mi corazon, te quiero. Tu sais que Camélia revient demain. Arrête. C'est Camélia qui va la tuer. Non, est-ce que je peux t'expliquer le plan? Oui, mais okay. Tu as beau avoir un plan, je peux ne pas être d'accord. Non, oui, je veux pas non, que Carla elle meure. Mais c'est pas moi qui allais la tuer. C'est pas peu importe, famille. Je veux pas qu'elle meure. Je veux pas qu'elle meure.
Mais elle va mourir. Elle mourra pas. On parle des mains de Camélia. Non, je vais la protéger. Quoi, tu vas la revive à chaque fois. Non, je vais la protéger. Mais ah, tu vas la... donc tu vas te mettre ton gang à dos. Non, je vais la protéger pour que. Si, vu que si c'est toi qui la tue, c'est une chose. Mais si jamais c'est les Italiens qui la tuent, je vais la protéger. Ah non, les Italiens. C'est moi, je vais la tuer. C'est moi, je vais la tuer. Tiens toi. Mais pourquoi moi? Ok, vas-y. Mais l'amoureux, on a perdu Miguel. On a perdu le Miguel qu'on avait. Lorio, s'il te plaît, explique-lui. Le cœur a ses raisons que la raison. Ta gueule, mais c'est... Mais non, mais c'est merci Lorio, merci Lorio, merci. Mais en même temps, faut pas nous mettre dans la merde. En même temps, je vais pas vous mettre dans la merde, mais je l'aime. Il nous a mis dans la merde en tuant Milo. Je suis amoureux. Mais ça y est, je veux plus que tu fasses je suis amoureux. Ça y est, Roméo et non, Juliette. Je veux plus. Tu te rappelles quand on a fait le date? Je te jure que je regrette. À chaque fois qu'il croise une meuf qui tombe amoureux, je regrette. Est-ce que, est-ce que tu regrettes qu'on a dit non à Sarah au mariage? Oui, oui. Oh oui, oh oui. Pourquoi j'ai dit non? Mais c'était une pute. Mais on s'en bat les couilles. Tu sais, il peut pas trouver une fille d'une famille normale qui vient d'un quartier normal, pas de gangster. Il a trouvé la nièce de la fille du vrai don d'Italie, de Palerme, oui, ouais, bien, qui va tous pas, nous retrouver, qui va tous nous matar. Oh, voilà ce qu'il fait. Pourquoi tu t'es mis en costume? Pour la reconquérir? Oui. T'as mis ta gueule? Quoi ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Attends, je vais appeler Carla. Je te jure, je vais pas te descendre. Ok? D'accord. L'avenir est sombre, je laisse voir comme papa. Je te jure, tu vois ta gueule. Mon Dieu. On va faire des trucs euphoriques. Après, on te convoie à un braquage. Oui, allez, Carla. On va faire un braquage. Carla, tu filmes moi ou toi? J'en fais quoi de lui? Explique-moi. J'en fais quoi de lui? Non. Là, je suis pas là pour ça. Le tweet de JL Toto. Je vais te demander un truc, d'accord? Carla. Carla. T'es toute seule dans ta chambre? T'es dans ta chambre là ou pas? Écoute, il te reste un moment. Va dans ta chambre. Oui. Ça dure longtemps ou pas en vrai? Ça dure 5 minutes. Oui, ça dure. Non, 10 minutes. Parce que là, t'as rien vu, Miguel. Je suis en euphorie, vas-y, donne. D'accord. T'as vu un tiers de ce que tu devais voir. Miguel, Attends, s'il vous plaît, Miguel, on peut se mettre en accord sur quelque chose? Oui, dis-moi. Je vais lui proposer une dernière chance, ok? Propose-lui une dernière danse. Et je vais devant chez elle avec une guitare et je chante. J'ai longtemps parcouru ton corps effleuré, sans foi ton visage. Vous m'entendez toujours? Oui. Oui, on t'entend je toujours. Je suis sorti de mon corps. Oui, t'as vu? Oh, c'est trop bien. Disclaimer, ne prenez pas de la drogue. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable. Quoi? Vous m'entendez toujours? Oui, toujours. Vous m'entendez toujours? Mais au bout d'un moment, quand tu verras les sages, on t'entendra plus. Vous m'entendez toujours? Ouais, calme. Miguel. Oui. Tu mens. Oui, toujours. Ah, ça y est, je t'entends plus. Oui, c'est bon. J'ai peur, vous m'entendez? Oui. Non, j'ai peur, j'ai pas envie, j'ai peur. Je me sens bizarre. Voilà pourquoi. Oh là. Il est parti. Pourquoi tu es pas belle comme elle, hein? Lorio, pourquoi? Comme qui? Parce que je suis Lorio. Ah oui, mais tu pourrais être Jessica Alba, sérieux, tu fais chier. Ah mais non, mais Lorio. Oui. T'as quelqu'un toi, non? Mais non. Ça. Une sœur, non? Oui, ma sœur Gloria, pourquoi? Tu veux pas la présenter à Miguel? Mais je vais présenter ma sœur à Miguel. Je suis amoureux de Carla. En fait, tout ce que j'ai construit avec Carla... Je ne le ferai jamais qu'une autre fille, du coup maintenant je suis obligé de finir avec elle. T'as construit quoi avec elle? T'as rien fait? Bah t'as vu, tu sais, des fois j'allais la voir, je faisais des rendez-vous et tout. Non, tu faisais jamais ça. Oui mais c'est pas grave, j'ai la flemme de le faire avec une autre fille. Appelle-le, on y va. Putain, manque-le. Ça va, trou de balle? Oui, oui. Comment ça, trou de balle? Comment ça, trou de balle? J'ai dit trou de balle à qui, toi?
Et trou de balle à toi. Connard. Je me crève un pneu là. Viens par là, viens par là. Qu'est-ce que tu veux? On se connaît pas, tu arrêtes de trou de balle, tu crèves un pneu, c'est parce comment? Lui là, il m'a volé de l'argent la dernière fois. On vient d'arriver. Quand précisément? Attends, vous êtes qui? On vient d'arriver. Qui? Los Netas. Ah merde. Bah c'était pas vous alors. Et pour le pneu, on fait comment? Tu vas chez le Beniz, il va te le réparer. D'accord, et pour la plata, on fait comment? Vertutu, on fait comment? Pourquoi? J'ai crevé un pneu à des innocents. On se trompe de personne. Ok. Ah bah, ils regardent dans leur coffre s'ils ont un pneu de rechange. Sinon, tant pis, c'est l'amour du risque. Hein. Tiens, tiens, hermano, tiens. Tiens, prends ça. Et va au Beniz. De ma part, tu dis de la part de Miguel, d'accord? C'est bon? C'est bon, oui, c'est bon, mon grand. C'est bon. Bien sûr. Super. Allez, au revoir, bonne soirée. Coucou, Ace. Arrête. Coucou. Ace, dessine sur Miguel, pas sur moi. Miguel, viens, Ace, il va te faire un truc. Tu vas me faire quoi? Dessine des sourcils, les seins, ils ont cramé. Voilà. Et toi, je suis sûr, t'as vraiment regardé tes sourcils. Vas-y, lunettes. Y'a plus personne, non. Non, j'ai plus mes sourcils. J'ai explosé dans une voiture. Tu vas lui faire, attends, lui faire au crayon. Je peux dessiner. J'ai besoin d'un massage tous les soirs, mais bon, y'a personne qui veut dessiner. Tu sais que s'il dessine vraiment, je pète mon crâne, t'as vu, vraiment. Mais c'est qui là? Là. Ah, t'es sûr? Demain, on est un gang de chauves, maintenant, vraiment. Mais c'est qui là? Qui? Moi? C'est Miguel? Oui. Je comprends plus rien. Oh non! C'est terrible, hein. Je suis trop triste. Oui, je me suis fait exploser la voiture. Non, vous avez fait exploser la voiture? Oui, enfin non, des mecs, ils nous ont explosé la voiture. Ça, la histoire, ça, ça. T'en bouge pas. T'as de quoi essuyer avec un compteur, s'il te plaît? Parce que j'ai un peu bavé sur le côté. Bave pas trop, hein. Oui, il dessine sur sa tête des sourcils. Oh non, le bave pas trop. Non, mais Miguel, c'est pas trop en forme. C'est pas ouf. Ça m'a fait rire, c'est le principal. Pourquoi vous me regardez tous? Regardez le déchet que c'est devenu Sarah, par pitié. C'est la blonde. Regardez, on dirait qu'il est énervé. Non, attends, mais dis pas, il a dessiné les sourcils vraiment. Attends, mais quoi? Vous rigolez? Vous rigolez? Qui rigole? Attends, qui rigole? Qui rigole? Range. Non, attends. Et pourquoi tu rigoles toi, Louis? Ouais. Je t'en rappelle la dernière fois que tu as rigolé de moi? Non, t'as vu? Non, je vais pas le dire à tout le monde, doucement. D'accord. Dessiner des sourcils dans ce cas-là. T'as dit quoi? Je vais dessiner lui aussi des sourcils. C'est bon, ça marche. Attends, c'est bien là-dedans? C'est cool? C'est sympa? C'est cool, ouais, ça fait vénère, ça fait vraiment vénère. Merci. Pourquoi tu parles doucement, Aïs? Tu es malade? Non, j'ai plus cette liberté d'avant de pouvoir crier. Ah merde, d'accord. J'ai la voix un peu en rouille. Bon courage, viens l'ordi, on va voir. Sarah, c'est devenu une crackhead. Ah oui? Oui. Tu vois, tu as bien fait de pas te marier avec cette connasse. Mais comment on rentre? T'es baisé, stop, t'es baisé. Arrachez-vous. C'est bon? Allez, loupard. Cours, il te voit plus, cours! Eh, Miguel, y'a un cercle tout seul là, regarde. Tu fais quoi? Là, en bas. Là, juste devant nous, en bas. La moto de police. Oui, mais on peut pas l'attraper ici, ça craint. Bien joué! J'ai un fusil à pompe sur moi, j'ai un putain de fusil à pompe sur moi, sérieux. Viens là, Miguel. Viens, madame. J'ai besoin d'aide. Mais pourquoi tu pleures? Aïe, arrête de me mettre des steaks, arrête. Mais c'est quoi ça? Arrête. Il a direct dans sa tête. Mais non, je suis brûlé. Arrête de me frapper. Pardon, ok, pardon. Madame, j'ai besoin d'aide, les poyos, ils me poursuivent. Mais comment ça? Mais pourquoi? Ben, pourquoi j'ai ça sur moi. Enfoiré. T'as pas un Rebecca, bizarre. Miguel, il revient. J'ai la fille de pute. Aïe. Louis. Miguel. Tu as pas de la chance, c'est bon. Pour ça, défense. Peut-être sale patate. Y'a quoi? Je te prends par la main. Je vais te le poser dans. C'est bon, fallait que je. Non, c'est bon, juste qu'il fallait que je pose. Ah, oh putain. Merde, ah ouais. Enfoiré de Miguel. Oui, c'est bon, je me rends.
Qu'est-ce que j'ai fait? Pour choper Miguel, et Miguel, il a jeté des smokes là. Et c'était pour la soirée? Merci Miguel, t'es un bon. De rien! De rien! Mais vous foutez de ma gueule, vous deux là. Quoi? Allez, mets-toi contre la voiture là. D'accord. Tu les as encore sur toi ou pas? Oui. Pourquoi t'as autant de bouteilles d'alcool sur toi là? Parce que je suis alcoolique, et Lorio aussi. Avec moi surtout, oui. Vous pouvez tous me les donner si vous voulez, chef. Bon. Non, vraiment, il est horrible le badge. Non, mais c'est bon. Arrête de jeter des trucs comme ça. Je sais qu'on va te rechoper avec encore des smokes, mais arrête. Oui, pardon. Bon, bonne soirée à vous. Au revoir. Au revoir. Ciao. Et faut qu'il évite de voir. Rebecca, chauffe-le, fais genre tu vas lui sucer la bite un peu plus loin, tu l'écartes, on l'attrape. Mais Miguel, tu fais ça pendant qu'elle est servie autour. C'est pas grave. Oh mais elle est trop stylée cette camionnette. Attends, cache-toi, faut plus qu'il nous voie. Mais oui, je ne comprends pas pourquoi il les a changés en fait. J'ai toujours pas la réponse en plus hein. Il est jamais là quand je pose la question. Tu veux chercher Chouis? Ils sont là-bas, il est en train de se faire braquer par tout le monde. Fais vraiment la chienne, Dim. Il vient là-bas, je vais te sucer. Lève-toi. Il va braquer par les poyos, c'est les poyos. Mais il va braquer des poyos? C'est quoi le plan? Regarde Rebecca là, elle est en train de draguer un serbe. Voilà, c'est ça le plan. C'est ça le plan? Vois l'homme avec qui elle est en train de parler. Ouais. Ton kiff c'est le caca. C'est un scatophile. Oh, il adore la merde. Viens prendre ta conce. Je vais écouter, restez ici. J'ai pas de casquette. Ouais. C'est notre véhicule là. Lequel? Celui devant là. Le primo. Pourquoi? T'as du style comme ça. Merci. Oui mais non, mais là maintenant, le problème c'est que mes cousins, ils veulent faire du chantage là avec eux. Moi, écoute, je suis pas prête pour qu'on soit en couple, mais par contre, si tu veux qu'on passe la nuit tous les deux, pas de problème. On peut s'amuser. Tu veux faire quoi, l'amour? Voilà, si tu veux, on va dans un coin et je m'occupe de toi. Ah ouais? Oui. Vas-y, viens. Moi, j'aime bien devant tout le monde. Attends, pas devant tout le monde. Non, mais un petit peu caché quand même. Genre, entre les deux, c'est tu vois, fantasme. En mode. En mode, on peut se faire cramer. Non, mais attends, en mode, on peut se faire cramer, mais pas toi non plus, s'il te plaît. Mais t'es arrivé quoi, toi? Fantasme, s'il te plaît, laisse-moi réaliser mon fantasme. Non, mais je peux pas te sucer. En plein milieu devant tout le monde. Je peux pas te sucer devant tout le monde. Non, c'est pas possible. Tu te dégages. Arrêtez de dire attention de voir pour rien, ça. C'est qui sous la cagoule? Zepi, y'a un mec qui parle, ça dit attention de voir. Je vais baiser ta soeur. En tout cas, j'ai un problème. Salut! Ouais, du coup, regarde-moi. Ah merde, apparemment il va crier. Je vais péter un câble. Chauffe le pied. Oh 08, la radio, la Marie, vous êtes où? Attends, t'as faim? Tiens, ah bon encore. Et t'en as... Tu vas pas aller là-bas. Vas-y, vas-y. Et donc, vous allez il va baiser, les gars. Ouais. C'est bon, non, man, tu m'as passé, passe-moi après ça, je vais prendre full photo. Vous allez va baiser, cousin. Oui. Vous allez va baiser. Ouais, c'est bon, je suis prêt. Ok, mais là, il y a trop de monde. Hein. Non, ils vont se retourner. Attends, mais je fais pas ça ici, hein. Je veux qu'on soit quand même. Derrière la poubelle, là, voilà, vas-y, là, vite.
Mais tu veux pas qu'on ait un peu d'intimité? S'il te plaît, s'il te plaît. Mais moi je t'ai dit mon fantasme, moi à la base, moi je veux te voir tout le monde, moi, là, tout de suite. Ouais, mais moi mon fantasme c'est de profiter de toi à 100%. Oui, oui, bah vas-y, vas-y, viens. Mais de toute façon, moi je suis pas fou. Vu comment t'es en 5 secondes, moi c'est fini. Hein. Tu bah non, quand même, tu vas te retenir quand même, non? Mais j'arrive pas, je te jure. Je te jure, c'est trop dur. Tu veux pas, tu veux pas. Ok, bon, allez, viens. Est-ce que, s'il faut un groupe où c'est pas tous des pervers sexuels, il meurt? On regarde pas de loin. On peut pas l'attraper là en plus là, ça. Tant pis, elle m'a baisé hein. Tant pis hein. Force à elle hein. Oui, ça va. Ça va, oui, les tenues. Oui, ça va. Oh, non, non. Je suis brûlé. Il est brûlé. Ah non, ils vont baiser les deux. Ouais, ils vont baiser. Ça fait plaisir. Pourquoi j'ai pas une photo? C'est ma petite cousine. Mais non. Oui, elle va bien baiser. J'espère qu'il va bien s'occuper d'elle. Hein. Et putain, il va lui dormir le cul à ta petite. Par hasard, on peut aussi après. Oui, bien sûr. On peut. Bien sûr. Bah après, c'est elle, c'est pas moi qui décide pour elle. Il a dit on peut. On peut quoi? Baiser. Mais non. C'est comment? On peut piner. Eh le vieux toi tu viens pas, toi t'es trop vieux toi. Putain le flashy. Non ça va tranquille, vois pas le flashy, vois pas le flashy. Mais vous avez tous la même tête. C'est n'importe quoi. C'est normal monsieur, on est cousins. Normal, on est cousins. Ah vous êtes cousins? Oui. D'accord. En plus je suis plus beau que... Ils sont où le reste des vagos? Non. Ah mais les gars, je crois que ça l'a abandonné ça hein. Oh bon, non. Mais merde, parce que là les mecs. C'est pas une vanne. Allô. Oui, Vertutu. Oui, je l'ai en visuel. OK, on fait quoi? On l'attrape là? Ça pue. Alors merde. Ben, ils sont encore trop proches. Ben en fait, je pense qu'ils... Je suis pas sûr, hein. Mais regardez à droite, là-bas, en blanche croix, c'est un poyos. Merde. Il y a trop de poyos ici. Non, mais je crois vraiment qu'ils sentent la douille. T'as pas vu comme ils le suivent? C'est la Katsuki. Oui, mais si on la sauve pas, on va vraiment devoir baiser avec. Oui, c'est ça le truc. Ah, alors c'est bon, elle revient. On peut pas baiser un mec, hein. Je suis pas d'accord. Pour Louis. Surtout que le mec, son délire, c'est le caca, donc... Trop marrant. Son délire, c'est le caca. Pourquoi elle parle toute seule? J'espère, Anna. Elle va t'appeler. Elle a encore les chaussures mouillées. Elle m'a dit pas possible, pourtant j'ai essayé. Bah t'as capté. Merde. On prend la manière forte. Non, on peut pas ici. J'aurais dû faire servir avec tes chiens. Y'a trop de flics. Shadow, Chicken ou Peur? C'est sanglant, moi. Sanglant? T'es trop belle. Eh, t'es trop canon. Pourquoi t'es avec lui? Bonjour, t'es avec ce clochard là. Pourquoi t'es avec lui là? Il est aveugle. Il y a moins d'avoir un petit numéro. Ouais, t'as snap. Est-ce que t'as snap? Ouais. Eh, t'as snap ou pas? T'as snap? Ma mère, 10$, je dis que son nul. Eh, madame. T'as dit c'est Mira? Quoi, gars, c'est moi, je vois le madame, je peux vous parler en privé. Mais on s'est déjà parlé 15 fois. Bah, si tu viens, on se pète. Madame, y'a moyen d'avoir un snap ou quoi, madame? Je dis, attends, je suis gardé d'ici. Dario! Madame, je suis célib. Tu le payes, c'est bon. Laisse tomber, ils sortiront pas. Okay. Ils vont sortir au bout d'un moment. Oui, mais on va rester ici 30 ans. Ben, c'est la seule solution de faire sortir, sinon c'est compliqué de les péter. Sinon, c'est demain, c'est pas grave.
Oh les frères, c'est un taxi. Tu parles à moi? Ouais. Et ta mère la pute, c'est un taxi? Comment ta maman la pute? Je me suis énervé pour hier, non c'est vrai. Je me suis beaucoup énervé, non c'est pas un taxi, c'est pas un taxi. Ah ça marche, ça marche. Putain, t'es arrivé quoi cousin? Tu t'es fait brûler ou quoi? Oui. Ah ouais. Au revoir. Vas-y, bah passe une bonne soirée. Vas-y, bah ouais, là il est tout seul, tu te mets à côté de lui. Putain. Mais non, impossible. J'ai essayé. Hein. Oui, laisse tomber, trop compliqué. Il y avait trop de monde et j'essaie de l'emmener dans un coin, il voulait pas trop. Ok, les Lost, c'est comment avec eux? Bah, y'a rien, on fait aucune affaire avec eux. Parce que les Lost, ils sont en affaire avec eux, on peut leur merde. Demander un rendez-vous avec eux. Je crois pas que ce soit en affaire avec eux. Hein? Je crois pas que ce soit en affaire avec eux, on était cachés derrière leur camion, ils voulaient les défoncer. Ils parlaient entre eux, j'ai écouté leur conversation. Ils parlent de quoi là? Ils parlent de nous qui nous ont cramé et tout. Sinon, on campe devant chez eux, on attend qu'ils rentrent et on les nique. On peut faire ça, mais je sais pas quand ils rentrent eux. Vraiment, je pense que c'est pas la bonne solution. Ah, mais là, la solution c'est d'avoir un rendez-vous avec eux ou d'en péter un comme ça, mais c'est. La flemme de... Allô. On arrive, mais le problème c'est que moi j'ai un fusil à pompe, donc est-ce que Louis il peut pas les semer? Il va pas y arriver? En fait, sa voiture elle pue la merde, plus, Louis. Vraiment. Okay. Après, ils ont pas l'air ouf. Continue mais... à m'envoyer des potions, continue. Alors, explique-moi, Miguel. Ils se font poursuivre, mais ils ont une voiture de merde, du coup, c'est la merde. Putain, mais j'ai l'impression que les vagos c'est tout le temps la merde. Aïe. Mais je peux pas tourner la tête quand je suis sur mon téléphone. On fait un gros accident, enfin on n'a pas fait exprès, d'accord? Oui. Oh, ils sont au-dessus, je crois. Ah, ils sont au-dessus, sérieux, merde. On reprend la rue ou pas? Tu m'as dit quoi? Je répète. Attends, je suis devant moi. Je vais derrière. Ah, attends. Ah. Partez, c'est bon! C'est... Masquez-vous, on braque. Il s'est circulé, s'il vous plaît. Merde, aïe. Besoin de renfort, s'il vous plaît. J'ai laissé mon arme dans la voiture. J'ai laissé mon arme dans la voiture. J'ai pas de cagoule. Force. Allez, circuler, messieurs, dames, s'il vous plaît. Non, toi, tu circules. Les libères. Libère, à trois, je tire. Partez, courez. Baisse ton arme. Vite, il est où l'autre? Circule. C'est bon, vous l'avez circulé. Il est où le deuxième? Il s'enfuit en moto. Il s'enfuit en moto? Oui, il s'enfuit en moto. Remonte! Allez, monte! Les individus prennent la fuite dans une voiture. Ah, j'ai plus quoi, je vais t'enculer, j'avais pas de masque, Miguel. Ils t'ont pas vu? J'avais pas de masque, la pute. Mais ils t'ont pas vu! Ils peuvent pas t'avoir vu! Si, ils m'ont vu, y'a pas de portier! T'as pas vu? Y'a pas de portier! En plus, avec une voiture des wagons, c'est bien, Miguel! On allait pas la laisser. Aïe! Ça va les couilles, ça rit. Va te faire enculer, connard! En gros, je me suis donné exprès parce que c'est Louis qui avait dit. C'est bon, on les a semés. Elle avait rien, elle. Du coup, putain, je me dis Miguel. On les a semés. Non! Oh, fils de pute, on les a pas semés. Attends, tu fais quoi? Tu branles quoi? Oh là 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 là. Je descends, je tue? Non, tue pas. Miguel. Ça y est, arrête de pas. Ça y est, stop. Voilà, y a plus, et là c'est compliqué là. Je fais des cauchemars avec ou okay, 100 millions d'euros dans les choux. Rejetez-moi. Je me réveille comme si c'était normal. Tu sais que là on perd 1 million de dollars, c'est bien. C'est pour ça, rejetez-moi, je vais aller à la police et c'est bon, je veux dire que je vous connaissais pas. Et... Ça y est, pompe là, t'es con ou quoi? Non mais là c'est ta mère, fils de pute. Cours. Non mais ça va, il vient pas. Cours. Je savais pas qu'il y avait un jump, je jure. Garde-toi d'abord en bas. Je jure que je savais pas vraiment, je jure, je savais pas qu'il y avait un jump, je jure. Promis. Par qui une maison. Viens se cacher, dans le buisson. Mais vous faire le buisson, non? Vous voulez pas un buisson sleep, plus loin? Slip. Non, slip, Lorio. Slip, Lorio. Lorio.
avec ta bille sur la tête. Parlez doucement. Il est où Vertigo, il a l'air énervé. Imaginez, ils l'ont attrapé lui. On est mort. Parlez doucement. Ça, vous l'avez vu le jump entre vous et moi. Il était invisible ce jump, frère. Tu veux pas enterrer le pompe au cas où on se fait choper? Comment je fais pour enterrer le pompe? Je sais pas, on l'enterre. Il faut une pelle. Une pelle sur moi. Oh, bah, j'ai une pelle dans mon sac. Ah non, je connais pas la map. Une pelle pliante. On l'enterre? Non, ta gueule. Non, on était pas 5 avec Soulax, arrête de faire l'ancien, Nassim. C'est bon, on se barre. Ah, on attend qu'ils arrivent. Y'a Louis qui arrive, non? Si. Je suis instable. J'étais impatient. Oui. Ça se voit, tu trembles, là. Oui, vraiment. Comme tout à l'heure, quand on tournait en voiture. Oui, j'en avais marre. Mais il est super discret, hein. Heureusement que je dis discret. Oh, j'ai sérieux. Ah ouais, il n'y a plus qu'à crier, c'est les vagos, vous êtes cachés dans les buissons, c'est parfait. Me dis pas, c'est toi qui klaxonne comme un connard. Mais t'es pas discret, putain. Dis, viens. Adorkov. Discrètement. Adorkov. Dans le coffre. Chaque fois que j'en vous cherchais, j'arrive avec un bateau, une Ferrari, un Ferrati. Elle sort de cette voiture. Faut pas trop. Le coffre il marche pas. Arrête. Il y a Thiago qui arrive normalement. Ouais. Oh, yeah. Ton amoureux. Ok. Non, c'est moi. Mais elle fait quoi? On la laisse là? Non, attendez, avec moi, on sait jamais. Vas-y. Mais vas-y. T'as vu, j'arrive toujours à avoir trouvé des trucs de fou. Non, mais non, mais s'il repasse à les coffres, on est mort. Mais oui, mais attends, mais je comprends pas pourquoi pour pas rentrer dans le coffre. Il y a pas. Ah oui. Parce que elle est, en fait, la voiture, elle est pas encore dans le catalogue officiel. Ah oui, c'est les nouvelles là. Au pire, ouais. Partez, vous avez des trucs trop importants. Partez. Okay, rien. Ah oui. Ouais, c'est, elles sont pas encore officiellement ici. Le clou du buisson, il est incroyable. Mais tu sais qu'ils ont regardé deux buissons, mais pas les nôtres. Oui, ils ont fait tous les buissons avant nous. Depuis petit, on brassine. Faut des lovés pour les filles ou elles vont pas te marier. J'examine, j'assassine tous les fois qu'ils me parlent. Juste parce que je pourrais percer. Depuis petit, j'ai des crocs. Ils veulent ma peau, mais n'ont pas eu les couilles de me chasser.